Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, nous reprenons l'audience où nous l'avons laissée cet après-midi, et toujours sur la question thématique de la santé. Dans un premier temps, je demanderai aux personnes ressources s'il y en a qui ont des compléments d'information à nous fournir. Madame Côté, non. Monsieur Leclerc, non plus. Monsieur Bernatier, non plus. Parfait. Alors, on va passer à la période de questions générales avant d'aborder la thématique. Monsieur Fafard, s'il vous plaît, vous êtes inscrit. Votre première question, allez-y. Oui, ma première question à la Commission de la Sûreté nucléaire. Combien, dans les rangs de la Commission de la Sûreté nucléaire, de spécialistes avec une spécialité qui a rapport à la radioactivité plutôt qu'au barrage, mettons, y a-t-il parmi leurs employés? Combien un nombre de spécialistes, là, soit en santé, en environnement, mais avec un background nucléaire, si on veut? Donc, de physiciens. Ben, il peut y avoir des biologistes qui ont une spécialité en radioprotection, donc... pas pour les barrages, les effets techniques, mais pour les effets nucléaires ou les radionucléides, le nombre de spécialistes. Monsieur Leclerc. Alors, pour apporter un peu une précision, alors, on parle plutôt radioprotection, dosimétrie, environnement, c'est ça? Oui, tout ce qui a trait à la radioactivité, si on veut, pour séparer des côtés techniques, là, des barrages, des pentes, des ci, des ça. Là. Toute votre direction, Jean-Marc. Oui. Si vous pouvez me donner juste une question, je vais parler avec ma collègue ici qui vient de la direction générale. Je vous en prie. Fait que la direction générale qui est responsable de l'environnement, radioprotection, ça inclut laboratoire, radioprotection, environnement, c'est environ 75. De toute l'équipe, là. On a toute une répartition. Ça inclut aussi nos géotechniciens aussi. Mm-hmm. Fait que tous les gens qui sont spécialisés, qui ont une spécialité quelconque directement en rapport avec les radionucléides. Ça fait que qu'au point de vue d'environnement, gestion des déchets, radioprotection. C'est l'ensemble. Oui, c'est ça. Parfait. OK. Alors, votre deuxième. Ma deuxième question. Le même type de spécialiste, mais dans le ministère des Ressources naturelles, de l'Environnement et de la Santé publique, peut-être. On n'a pas le même genre de chapeau ou de parapluie qui regroupe tout le monde ensemble au Québec, dans les différents ministères. Le nombre de spécialistes qui ont des compétences dans ce même domaine. Dans ces mêmes domaines, si on veut. Environnement. Je pourrais pas donner le nombre parce que nous, on n'a pas une direction qui s'occupe. Mais, au centre d'expertise, j'ai déjà... au centre d'analyse d'expertise, j'ai 6 personnes spécialistes qui m'ont préparé des fiches. On a plusieurs physiciens à plusieurs endroits. Et ça serait très difficile parce que, je veux dire, on fonctionne pas par département spécialiste en radioprotection, en radioactivité. Mais vous pouvez... Est-ce que vous pouvez identifier ceux qui travaillent sur des dossiers de cette nature? Écoutez, c'est parce que dossier de cette nature, là, on n'a pas présentement de. C'est pas un dossier majeur qui fasse qu'on va faire une direction là-dessus, OK? Mais on est par contre, beaucoup de spécialistes qui, présentement aussi, comme c'est une problématique en émergence, il y a beaucoup d'auto-formation, il y a des comités qui se sont mis en place, il y a des... Alors, cette question-là ne peut pas, là, on n'est pas on n'est pas un département spécialisé en radioactivité, là. Mais par contre, on sait trouver les ressources et on est en train de s'auto-former. Là. Est-ce que ce serait possible de vérifier avec les ressources humaines pour essayer de savoir combien de personnes dans le ministère ont une formation qui est en rapport avec ça? On n'a pas ce type de classification-là. Dans la fonction publique, classification agent de recherche spécialiste en sciences physiques, ça ne marche pas dans ce type de qualification-là. OK?
ça donc, serait... Donc, au fond, vous avez présentement des personnes capables de travailler sur ce genre de dossier, mais qui ne sont pas vraiment des spécialistes. C'est-à-dire qu'en radioactivité, là, quand je vous disais au centre d'analyse d'expertise, les personnes qui sont venues vous parler ce matin, qui ont fait une revue, hier, qui ont fait une revue de littérature, les gens de on a des physiciens un peu partout, mais on n'a pas, c'est pas... Je comprends que la CCSN peut dire ben nous, on a tant de personnel parce que ce n'est exactement que leur mandat. Nous, on a beaucoup de spécialistes en plusieurs choses, comme présentement en air. Présentement, notre spécialiste en risque est en train a la spécialité qu'il faut pour être capable de comprendre les risques et de les analyser et est en train de regarder pour développer des critères. Fait qu'on peut pas fonctionner comme ça, là. Au niveau de vous répondre à une question, on a tant de personnes, on n'a pas de département en radio. Si vous arrivez à me faire dire qu'on n'a pas de département en radioactivité, non, présentement, on n'a pas de département en radioactivité. Par contre, on a beaucoup de... parce qu'on travaille beaucoup en synergie, nos différents spécialistes, puis on a présentement beaucoup d'équipes de travail et de personnes qui sont dédiées à cette tâche. C'est le plus précis qu'on peut avoir. Et au MERN... Chez nous, MERN, l'uranium est une substance minérale parmi tant d'autres, donc on y apporte l'attention voulue autant que les autres. Mais pour spécifiquement pour l'uranium, je sais qu'il y a peut-être entre 5 et 10 personnes attitrées, mais si vous voulez avoir le chiffre exact avec les noms, il n'y a pas de problème, je peux vous revenir avec ça très rapidement. Excusez, on ne veut pas de nom. Ça, un chiffre qui serait... Entre 5 et 10, mais je pourrais le préciser demain, si, parce que j'en connais plusieurs qui travaillent sur l'uranium. En vérifiant par leur mandat, ça vous donnera une liste lesquels travaillent là-dessus? Mais le mandat n'est pas spécifiquement uranium. Là, non, c'est ça. Entre autres, l'uranium. OK. Bon, ceux qui seraient susceptibles de travailler là-dessus, en toute connaissance de cause. Sans problème. Parfait. Et santé? Oui. Alors, écoutez, on va commencer par le ministère de la Santé. Nous, on a un expert physicien, ingénieur en technologie médicale qui est à la direction de la logistique et des équipements du ministère de la Santé et des services sociaux. Évidemment, ça a un lien avec la source anthropique dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, il faut penser, nous, à nos directions régionales de santé publique aussi, parce qu'au ministère, on est quand même... on a des régions qui travaillent, qui ont travaillé notamment sur Gentilly. Donc, on pourrait dire qu'en région... On a deux médecins conseils, minimalement un médecin conseil spécialisé sur la question. Et ensuite, si on se tourne vers l'Institut national de santé publique du Québec, qui est notre organisme d'expertise, ben on peut minimalement compter un conseiller scientifique là, sur la question. Fait qu'on ne dépassera pas les doigts de la main, ça c'est certain. D'accord, la réponse est précise à votre deuxième question. Je vous remercie. Vous avez fait deux questions? Ben, il y en avait une pour la CCN, puis une, mais c'était la même question, comme vous voulez, si vous me laissez une autre question. Allez-y pour votre deuxième. On va dire que c'était la même à tout le monde. D'accord. Si on revient à cet après-midi, je pourrais demander un éclaircissement par rapport à la relation des sous-produits de filiation du radon. La réponse, lors de ma question, était « Est-ce qu'on prend en compte de ces éléments-là? » Puis la réponse a été rapide. On a dit « Oui, on tient en compte de ces sous-éléments-là dans notre facteur de quelque chose. » Est-ce qu'on pourra avoir plutôt la toxicité de ces différents éléments-là qui était le fond de ma question? Est-ce qu'on considère la toxicité? Est-ce qu'on connaît... les éléments qui ont une vie courte, les quatre éléments avant le plomb 210, plutôt que de me dire, oui, on les inclut dans une formule, est-ce qu'on pourrait élaborer sur chacun de ces trois ou quatre éléments-là pour voir quelle est, par exemple, leur toxicité, combien de grammes pour causer la mort ou des choses comme ça, comme on a fait pour l'uranium lors de la présentation. Ça pourrait être. Monsieur Leclerc. Oui, c'est sûrement de l'information qu'on peut vous faire parvenir. Fait que les produits de désintégration du radon, puis comment est-ce qu'on en tient compte? Oui. Au fond, quelles sont leurs propriétés et quels sont leurs seuils de toxicité?
Je pense bien qu'on est en mesure de le fournir. Même, je pense que peut-être que M. Barre sera peut-être capable de répondre à la question. Vous dites, M. Barre, que vous allez en parler demain? Oui? Bon, ben alors, donc, bon. Ça sera couvert demain. D'accord? Merci, M. Fafard. Alors, on va passer à la première conférence qui est prévue. C'est celle, justement, de M. Tristan Barre, qui est déjà installé. M. Barre travaille à la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Il détient une maîtrise en biologie. Et il travaille au sein de la division des sciences de la radioprotection et de la santé, où il est responsable des permis de dosimétrie. Il est présentement responsable de l'évaluation de la capacité technique et administrative des services de dosimétrie au Canada. C'est également un inspecteur désigné dans ce domaine. Il est un biologiste avec 13 ans d'expérience dans le domaine du nucléaire et il a travaillé comme consultant en radioprotection, comme agent de la radioprotection dans les domaines hospitaliers, universitaires, industriels et en réponse aux urgences avant de se joindre à la CCSN. Je n'ai pas fait d'erreur, j'espère. Merci, non. Bon. Alors, la parole est à vous, M. Barre. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Tristan Barre. Je suis spécialiste en service de dosimétrie pour la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Et je vais vous présenter ce soir un résumé du rôle que joue la CCSN dans la réglementation des rejets des mines et usines de concentration d'uranium dans l'environnement pour assurer la protection de la santé des Canadiens et de l'environnement. Le mandat de la CCSN provient de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire et consiste à s'assurer que le niveau de risque, tant pour la santé et la sécurité des personnes que pour l'environnement, demeure acceptable, qu'on prendra les mesures voulues pour préserver la santé et la sécurité des personnes, pour protéger l'environnement, et pour contrôler le rejet de substances nucléaires radioactives et de substances dangereuses. Pour assurer ce mandat, la CCSN s'appuie, entre autres, sur le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaire, le Règlement sur les mines et usines de concentration d'uranium, le Règlement sur la radioprotection et le Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires. La CCSN doit donc s'assurer du contrôle et de la surveillance des rejets dans l'environnement. La CCSN oblige les détenteurs de permis à contrôler les rejets dans l'atmosphère, dans les sols, dans les eaux de surface et souterraines. De plus, la CCSN oblige les détenteurs de permis à mesurer les rejets et les concentrations dans l'environnement et de rapporter ces données. Les données recueillies par les programmes de surveillance de rejets de l'environnement sont évalués pour assurer la conformité avec les règlements et s'assurer que les effets sur l'environnement et les populations sont acceptables. Finalement, la CCSN peut prendre de façon indépendante des échantillons d'effluents pour les analyser à son laboratoire. Les mines et les usines de concentration d'uranium se doivent de mesurer les rejets et de maintenir un programme de surveillance environnementale. Ce tableau-ci identifie les éléments des programmes de surveillance environnementale qui sont communs à toutes les mines et usines de concentration de l'uranium au Canada. Pour certaines, il y a des isotopes spécifiques. L'exposition potentielle aux contaminants mesurés dans le programme de surveillance est estimée en utilisant des modèles d'exposition spécifiques tenant compte des paramètres du site et de l'environnement où se situe l'installation. Lors d'une demande de permis, une modélisation de dose peut se faire à travers le processus de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou à travers le processus d'évaluation de permis de la CCSN. La figure présente des exemples de voies d'exposition du public, par exemple l'inhalation, l'ingestion d'eau, de poissons, etc., que l'on considère. Le reste de cette présentation vous présente les résultats des programmes de surveillance pour les mines et usines de concentration en opération au Canada.
Ces données couvrent une période de 13 ans depuis que la loi sur la sûreté nucléaire est en vigueur, donc entre 2000 et 2012. Et cette présentation soulève les facteurs associés avec la santé humaine. Un rapport sur ces données a été soumis au BAP et est disponible pour plus d'informations. Ce graphique présente les résultats de mesures de plusieurs radionucléides dans l'air ambiant sur les sites miniers en opération. Les lignes rouges vous indiquent les niveaux de référence pour les isotopes mesurés. Les niveaux de référence indiquent la concentration à laquelle il faudrait être exposé continuellement, c'est-à-dire 24 heures par jour pour une année complète, pour recevoir une dose de radiation de 0,1 millisievert, c'est-à-dire un dixième de la dose maximale réglementaire pour un membre du public. En comparaison, le bruit de fond naturel au Canada est environ de 1,8 millisievert. Les résultats nous indiquent que la qualité de l'air sur les sites miniers est bien en dessous des niveaux de référence. Pour ce qui est des substances dangereuses dans l'air, ce graphique indique les concentrations d'autres substances dangereuses d'intérêt pour la santé humaine, et les lignes rouges dans ce cas-ci indiquent les niveaux acceptables selon les normes de qualité de l'air publiées par le ministre de l'Environnement de l'Ontario. Les mines et usines de concentration d'uranium se trouvent en Saskatchewan où ces normes de qualité d'air n'ont pas été établies, donc on les compare à ceux dans l'Ontario. Ici encore, on voit que les concentrations de poussière de métaux ne représentent pas un risque pour la santé selon les niveaux acceptables. Les mines et usines de concentration d'uranium doivent aussi avoir un programme de surveillance des niveaux de radon. Les niveaux de radon dans l'environnement à proximité, au-delà des 2 km de la source, des mines et usines d'uranium sont similaires au niveau de radon mesuré pour le bruit de fond local. Il est à noter que personne ne réside à une distance de moins de 2 km des installations minières d'uranium ou des usines de concentration en Saskatchewan. Dans le cas où une demande de permis serait soumise à la CCSN pour l'opération d'une mine ou d'une usine de concentration d'uranium où des résidents sont à proximité immédiate du site, les contrôles appliqués sur le rejet de radon seraient plus importants pour assurer un niveau équivalent de radioprotection. Pour ce qui est des substances nucléaires et dangereuses via l'eau, toutes les concentrations de substances nucléaires et dangereuses dans les eaux de surface situées à plus de 2 km du point de rejet des effluents étaient inférieures aux recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, de Santé Canada, avec les exceptions suivantes. En 2000 et 2012, la concentration moyenne d'uranium était de 5,5 km de Rabbit Lake était de 25,4 microgrammes par litre et la concentration maximale admissible, ou ce qu'on appelle en anglais le CMA, est de 20 microgrammes par litre. Les concentrations moyennes d'uranium à la même station de surveillance de Rabbit Lake ont baissé pour atteindre les 7,3 microgrammes par litre durant la période 2010 à 2012 en raison des améliorations apportées au traitement des effluents. Et ce qu'on note, c'est que c'est une action réglementaire de la CCSN suite à la révision des données provenant du programme de surveillance environnementale qui a mené à la réduction de la concentration d'uranium dans les eaux de surface à Rabbit Lake. Un traitement amélioré des eaux usées auraient été mis en place. On voit ici que la consommation de poissons provenant des cours d'eau qui reçoivent des effluents miniers peut être une voie d'exposition importante pour la population. La révision de la base de données de 13 ans indique que les concentrations de substances nucléaires mesurées dans les poissons capturés à une distance comprise encore entre 2 et 10 km en aval des usines de concentration d'uranium correspondent aux concentrations de bruit de fond mesurées à l'échelon local. Et la consommation de poissons capturés à cette même distance, en aval des mines et d'usines, n'entraîne pas d'augmentation de la dose de rayonnement dépassant le rayonnement du bruit de fond naturel du nord de la Saskatchewan. Je ne sais pas pourquoi mes graphiques ne se présentent pas.
parce qu'ils sont dans la... Bon. En effet, je m'excuse de l'erreur ici. On pourrait peut-être vous resoumettre par la suite les graphiques. Mais j'ai deux graphiques. La première qui indique les concentrations de radium-226 pour des échantillons de poissons qui avaient été pris sur les 13 ans d'échantillonnage. Et ce qu'on voit, en théorie, dans ma graphique, c'est que la concentration de radium-226 dans les poissons exposés aux effluents traités des mines et d'usines d'uranium de Saskatchewan, et si on voit tous les points d'échantillonnage, indique que la concentration de radium-226 est similaire au bruit de fond, sauf un. Il y a un point qui est plus élevé. Mais ce point plus élevé, celui qui est supérieur au bruit de fond, reste bien en dessous du niveau de référence qui pourrait résulter en une dose de 0,1 millisievert par année. Ce sera à noter que le modèle qu'on utilise dans ce cas-ci présume une ingestion de 600 grammes de poisson par jour depuis ce point d'échantillonnage tout le long de l'année. Pour le graphique suivant, c'est pour les concentrations de polonium-210. Et ce qu'on voit ici, c'est que le niveau de bruit de fond est plus élevé par rapport au point qu'on avait échantillonné, les poissons qu'on avait échantillonnés pour la concentration en polonium-210. Donc, toutes les mesures de polonium-210 dans les poissons échantillonnés restent dans la gamme du bruit de fond. Donc, pour ce qui est des substances dangereuses, non radioactives, on trouve qu'une consommation élevée, encore une fois les 600 grammes par jour, de poissons capturés à une distance comprise entre les 2 et 10 km en aval des usines de concentration ou des mines, pourrait entraîner des effets sur la santé en raison d'incorporation de sélénium. Les poissons capturés au-delà de 10 km ont des teneurs en sélénium semblables au bruit de fond régional. Donc, c'est à partir de 2009 que la CCSN a exigé de toutes les mines et usines de concentration d'uranium qu'elles renforcent leur contrôle sur le sélénium avec des systèmes de traitement pleinement opérationnels. On prévoit que les niveaux de sélénium dans les tissus de poissons diminueront au fil du temps grâce à l'amélioration du contrôle des effluents. Les doses de rayonnement reçues par les personnes hypothétiques vivant à une distance de 2 à 10 km d'une mine ou d'uranium au Canada sont en effet très faibles. Les niveaux de radionucléides mesurés dans l'air, dans l'eau et dans les tissus de poissons prélevés autour des mines d'uranium au Canada sont bien inférieurs au niveau de référence qui correspondrait à une dose de 0,1 millisievert. Au-delà des 2 km du point de rejet, les concentrations de radon se situent dans la fourchette des niveaux naturels à l'échelle locale. La dose totale reçue par les personnes vivant à une distance, encore une fois, de 2 à 10 km du point de rejet la plus proche de radon est similaire à la dose reçue par le Canadien moyen. Des études épidémiologiques ont montré que des nombres excessifs de cancers ne s'observent que en des cas d'exposition supérieure à 100 millisieverts. Toutefois, on suppose que le risque de cancer augmente en fonction de l'augmentation de la dose de rayonnement. Et la Commission internationale de protection radiologique a calculé un coefficient de risque nominal de 0,005% par millisievert pour tous les cancers. Donc, en cas de dose supplémentaire aux environs de 0,1 millisievert, le nombre de décès par cancer pourrait, en théorie, augmenter de 0,0005%. Cette augmentation serait presque indétectable et ferait passer le nombre moyen de décès par cancer au Canada de 25% pour le Canadien moyen à 25,00005%. Pour celui qui serait exposé à 0,1 millisievert. Pour ce qui est des expositions des membres du public aux substances dangereuses, toutes les concentrations de substances dangereuses surveillées entre 2000 et 2012 à plus de 2 km des mines et usines de concentration d'uranium en exploitation étaient bien inférieures aux recommandations de Santé Canada, sauf pour l'uranium et le sélénium.
Durant cette même période, les concentrations d'uranium sont passées en dessous de la valeur recommandée grâce aux améliorations apportées au traitement des effluents. Et bien qu'une consommation élevée de poissons capturés à une distance encore entre les 2 et 10 km en aval des usines puisse entraîner des effets sur la santé en raison d'incorporation de sélénium, on prévoit que les niveaux de sélénium dans ces tissus des poissons diminueront au fil du temps grâce à l'amélioration du contrôle des effluents. Donc, en conclusion, les expositions du public aux substances nucléaires et dangereuses des mines et usines d'uranium du Canada sont contrôlées. La surveillance des limites de rejet et de la conformité assure la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens et la qualité de l'environnement. Le vaste ensemble de données de surveillance et de scénarios d'exposition prudents indique que les rejets de radionucléides et de substances dangereuses des mines et usines de concentration d'uranium ne présentent pas de risque pour la santé publique. Pour en savoir plus, je sais qu'on a donné en dedans d'un 10-12 minutes, j'espère, notre présentation, mais il y a beaucoup d'informations qui sont présentées dans un document d'à peu près 200 pages, incluant toutes les graphiques et les données sur les différentes matières dangereuses et les substances nucléaires qui vous a été soumis. Donc, je vous invite à regarder le document pour vos informations. Merci. Je vous remercie. Alors, Joseph, est-ce que vous voulez commencer? Merci, M. Bas. Seriez-vous assez aimable pour remettre la planche numéro 16? Numéro 16. Comment que je fais pour F5? Un double clic. Ah non. Les deux présentations, une après l'autre. Oui. Voilà. Dans la première puce, vous indiquez des études épidémiologiques ont montré que des nombres excessifs de cancers ne s'observent qu'en cas d'exposition supérieure à 100 millisieverts. S'il y avait cette évidence, comment comprendre la norme proposée par l'Agence internationale de l'énergie atomique de 1 millisievert? Donc, merci pour la question. Ça touche un peu ce que j'essayais d'expliquer auparavant. Le facteur de risque que vous avez considéré à date... Et que on parle de 1 millisievert par année, hein? Oui, absolument. Parce que l'unité n'est pas complète, là. Excusez-moi, 1 millisievert par année. Donc, le facteur de risque que vous aviez discuté auparavant de 5 % par sievert, comme j'avais mentionné, provient de ce modèle linéaire... C'était pas 5 % par sievert. C'était 4 pour 1000. Ça, c'est le risque. Excusez? Le risque n'était pas de 5 % Le risque était de 4 pour 1000. 4 pour 1000? 4 cancers sur 1000 personnes okay. De population. OK. Donc, pour une exposition de 1 millisievert? De 70 ans. Pour 70 ans. En tout cas, je veux pas... Est-ce que c'est bien ça, madame... C'est pour une exposition à 1 millisievert par année pendant 60 ans. C'est ça. Exactement ça. OK. Encore une fois, ce qui provient de la Commission internationale pour la radioprotection, je pense qu'il mentionne très spécifiquement que ce n'est pas un risque à l'individu qui reçoit cette dose, mais plus un modèle qui nous permet d'établir des limites telles que le 1 millisievert pour protéger le public et les travailleurs, c'est des limites plus élevées. Mais ce qu'on rajoute là-dessus, c'est qu'on accepte qu'il y aurait une limite d'un millisievert, mais que dans toute opération, que ce soit une mine ou autre installation nucléaire, ils se doivent, selon notre règlement, d'appliquer le concept à l'ARA. Donc, appliquer toutes mesures qu'ils le peuvent, autant que c'est raisonnable, pour réduire la dose. Et, en plus de ça, si on ne voit aucun cas de cancer en dessous des 100 millisieverts d'exposition, ça nous donne cette marge protectrice. C'est un peu ce que vous demandiez auparavant, je pense. Peut-être toujours sur ce point-là, parce qu'il m'apparaît important, j'aimerais demander l'avis du ministère de la Santé.
Selon les études que vous avez faites et de vos collègues, notamment de l'INSPQ, est-ce que la revue de la littérature donne des évidences quant au fait qu'une exposition inférieure à jusqu'à 100 millisieverts par année ne produit... Attendez, je veux nommer le nombre excessif de cancers. Ne produit... Oh, mon truc de nombre... N'entraîne pas d'excès de cancer. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'adresserai la question à l'expertise de l'Institut parce qu'on ne fait pas de revue littérature au ministère de la Santé. Oui. Marie-Hélène Bourgault, INSPQ. Il n'y a pas d'études en ce moment qui sont... il y a beaucoup d'études sur les effets des rayonnements ionisants, notamment à faible dose, sur la santé des populations qui est fait. Ces données épidémiologiques-là sont revues par des organismes internationaux comme la Commission internationale de protection radiologique, comme l'organisme de UNSCARE aussi. Et ils regardent l'ensemble de ces données épidémiologiques-là. Et ce qu'ils ont retenu pour caractériser le risque d'exposition aux rayonnements ionisants, ce sont les données principalement sur les survivants japonais des bombardements atomiques. Donc, pour pouvoir extrapoler ces données-là qui étaient de moyenne à haute dose, on utilise le modèle linéaire sans seuil, pour les extrapoler à faible dose. Et comment vous appréciez cette valeur de 100 millisieverts par année? De 100 millisieverts par année. Bien, c'est ce qui est indiqué. Ici, on indique que des études épidémiologiques ont montré que des nombres excessifs de cancers ne s'observent qu'en cas d'exposition supérieure à 100 millisieverts. Donc, dans des cas d'exposition inférieure à 100 millisieverts, on n'observe pas d'excès de cancer. Il n'a pas été possible de l'observer par des études épidémiologiques. Vous dites que... Répétez encore, s'il vous plaît. Qui n'a pas été possible de l'observer par des études épidémiologiques. C'est ce qui est indiqué. Oui, c'est ça, en dessous de 100 millisieverts. Oui, c'est votre constat aussi? Oui. OK. Mais ce que je comprends, c'est que si les études épidémiologiques ne l'ont pas démontré, le risque est défini à un niveau bien inférieur, d'après ce que vous nous avez dit cet après-midi. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. On extrapole ce qui est observé à haute dose vers des faibles doses, selon le modèle linéaire sans seuil. Donc, le risque qu'on calcule à faible dose, il est extrapolé à partir des études qu'on a obtenues à haute dose. Donc, il y a un risque d'obtenir 4 cancers par 1000 personnes à 1 millisievert pendant un an. Pendant 70 ans. Oui, c'est cette façon-là qu'on calcule le risque. Quand on le calcule en termes de risque, quand on dit les études, qu'est-ce qu'ils ont constaté, ça peut, ce que vous dites, c'est que les études ont regardé un certain nombre de cas, mais c'est possible que dans d'autres situations, le risque faut l'apprécier autrement, c'est ça? Bien, c'est quand on n'a pas les données épidémiologiques pour pouvoir l'apprécier, on fait l'extrapolation vers les faibles doses. J'avoue que je suis particulièrement embêté. Là, j'essaie de trouver la cohérence entre une valeur internationale limite de 1 millisievert par année pour protéger la santé publique, tout étant relatif, là, mais une norme de 1 millisievert par année, alors que les études épidémiologiques ne montrent pas d'excès de cancer à 100 millisievert par année. Je comprends très bien la linéarité, je comprends très bien les faibles doses, mais je ne trouve pas de sens à ça. Ça, c'est moi qui peut-être a trop mangé ce soir. Donc, mes neurones ne fonctionnent pas assez vite. Mais j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre c'est quoi la logique scientifique. S'il y a des évidences à l'effet qu'il n'y a pas d'effet de cancer à une valeur inférieure à 100 millisieverts, qu'est-ce qui justifie une valeur internationale de 1 millisievert? J'ai vraiment de la difficulté à comprendre.
Mais le risque théorique à un millisievert, ça reste un risque théorique qui n'a pas été possible d'observer. Mais les organismes assument qu'il est quand même possible qu'il existe, même s'il est fait. Mais c'est un risque élevé. Je veux juste aussi apporter une précision que je n'ai peut-être pas faite cet après-midi quand vous m'avez posé un peu mm-hmm. la même question. Le risque d'un millisievert, ça s'applique à tout. La norme d'un millisievert, ça s'applique à tous les radionucléides, oui. à l'ensemble au total, oui, par oui. toutes les voies d'exposition. Oui, oui. J'avais compris ça. Apporter cette précision-là. Puis c'est une mesure de gestion. Tout à fait. Donc, je ne peux pas répondre autrement que comme au fond, ce que vous dites, dans mes termes, vous me corrigerez, c'est que l'acceptabilité sociopolitique d'une valeur peut être des fois se dissocier de du résultat scientifique. Oui, bien dans ce cas-ci, c'est ça qui a été fait, puisqu'on n'a pas de résultat évident à des niveaux de faible dose comme rencontrés à un millisievert. Okay. Disons que je n'irai pas plus loin, mais en tout cas, je peux vous dire que ce n'est pas encore clair, mais je vais réfléchir là-dessus, et heureusement qu'on a encore un peu de temps pour éventuellement revenir là-dessus demain, parce que pour moi, c'est une forme... enfin, il n'y a pas convergence des informations. Okay. Merci, madame. J'aimerais aussi vous poser d'autres questions. Évidemment, il y a beaucoup d'unités qui sont utilisées. Hein? Vous avez utilisé des becquerels par mètre cube. Dans l'exposition, dans la présentation que vous allez faire sur les travailleurs, il y a une nouvelle unité que je viens de lire pour la première fois, les unités alpha par mois. Il y a les millisieverts, il y a le gré. Et ça devient vraiment... pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du nucléaire, un peu confondant. Donc, dans les tableaux que vous avez présentés, vous avez indiqué, entre autres, à la planche 7, des concentrations en becquerel par mètre cube, pour lesquelles vous avez ensuite mis un niveau de référence de 0,1 millisievert par année. Et je voulais savoir, comment pourriez-vous nous fournir l'équation à partir de laquelle vous convertissez les becquerel par mètre cube en millisieverts, sachant très bien que vous allez utiliser probablement les facteurs de pondération là. Mais est-ce que vous avez une équation que vous pourriez nous fournir? Pour vous fournir l'information, je vais demander à mon collègue Malcolm McKee. I want to be sure to understand everything you say. Je veux être sûre de comprendre tout ce que vous allez dire. C'est pourquoi je dois mettre mes écouteurs. Vous avez dit qu'on disait des écouteurs, headphones en anglais. C'est exact. Malcolm McKee, pour le CNS, pour la CCSN. Bon, nous avons une annexe dans notre document qui contient tous les calculs que nous avons dû effectuer pour ces divers tableaux. Nous avons établi un seuil. Combien de becquerels pour tel radionucléide serait requis pour que ça conduise à une exposition d'une personne à 0,1 millisievert. Donc, à des fins de sélection, c'est le taux que nous avons établi. Si c'était pendant 24 heures par jour, pendant une année complète de 365 jours, ce n'est pas un scénario réaliste, mais c'est qu'on a voulu jouer la sécurité. Par exemple, si on a le plutonium-210 dans l'atmosphère, quel niveau d'activité pourrait exposer quelqu'un à 0,1 millisievert s'ils étaient là 24 heures par jour à 365 jours par an au taux de respiration maximale? Pourquoi avez-vous utilisé le niveau de référence de 0,1 millisievert? Oui. On l'a utilisé comme outil de sélection parce qu'on ne veut pas
que ce soit, un, parce que c'est basé sur une exposition à de nombreux radionucléides. Donc, c'est la même approche que pour les autres surfaces. Dans les directives de qualité des eaux de surface au Canada, c'est la même chose. On a voulu combiner l'exposition à tous les radionucléides dans ces conditions. Et à ce moment-là, ce serait 0,5 millisievert pour s'ils étaient tous combinés. Vous les avez examinés séparément, mais si vous les combinez, donc vous auriez un niveau de référence inférieur. Et quand est-ce que vous arrivez à un seuil? J'essaie de trouver le sens, encore une fois, de la valeur de 1 millisievert. Vous vous comparez, dans ce cas-là, pour l'ensemble des radionucléides, à, si je comprends bien, à 0,5 millisievert. C'est bien ça? Excuse-moi, pour préciser, je pense que ce que Malcolm a dit, c'est que lorsqu'on fait la somme des doses qu'on recevrait selon les niveaux de radionucléides qui ont été mesurés, mm-hmm. en présumant une inhalation constante 24 heures par jour mm-hmm. pour l'année, mm-hmm. on aurait une dose totale de 0,05 millisievert. Ah. Donc, un niveau plus bas okay. que le 0,1 millisievert qu'on avait établi comme niveau de référence pour indication sur la diapositive. Mais si pour un radionucléide, vous vous comparez à un niveau de référence de 0,1 millisievert, si vous prenez dans l'ensemble tous les radionucléides, à quelle valeur de référence vous allez vous comparer? On ne le fait pas parce que ça dépend des radionucléides en particulier parce qu'elles ont tous des radiotoxicités un peu différentes. Donc, on ne peut pas prendre une concentration qui s'appliquerait à la totalité parce que à cette concentration-là, le polonium vous donnerait une plus grande dose que l'uranium-238, par exemple. Donc, elles ont besoin chacune d'avoir des niveaux de référence pour qu'on puisse en faire sens. Oui. Non, c'est pareil, c'est sérieux. Oui. Est-ce qu'ils font un suivi individuel? Quand vous évaluez l'exposition de la population autour, vous évaluez pour chacun des radionucléides? C'est bien ça? Quand vous avez vu l'illustration du modèle, quand on fait une évaluation de l'exposition pour une population particulière, ce sont les voies principales pour les principaux radionucléides. Donc, c'est tout ensemble. Ça, vous appréciez la dose globale d'exposition sur une base annuelle. Dites dose globale, est-ce que vous voulez inclure la dose de bruit de fond naturelle? Bien sûr. Oui, oui. Mais excluez les bruits de fond. Juste, prenez un exemple simple pour qu'on puisse comprendre. Si je peux me permettre, M. Zayed, mm-hmm. puis ils peuvent me corriger si j'ai tort. Je vais m'essayer un petit peu, là. C'est pas moi l'expert, mais je les écoute, puis je vois le... En tout cas... Vous comprenez, pas moi, tant mieux. Allez-y. Non, c'est que ici, c'est une façon d'exposition, c'est de l'air. Il y a la consommation de l'eau, mm-hmm. la consommation du gibier, le poisson. Fait mm-hmm. qu'il y a toutes sortes de différents... source d'exposition. Mm-hmm. Fait qu'ici, on touche un aspect, c'est de l'air. Mm-hmm. Quand il additionne le tout, il ne faut pas excéder le 1 millisievert. Tout à fait. Je le comprends très bien. Mais pourquoi alors avoir choisi? Sur quelle base repose ce choix du niveau de référence de 0,1 millisievert par radionucléide? C'est le même niveau de référence. C'est parce que, si j'ai bien compris, le point 1, c'est tout simplement parce qu'une fois que tu les additionnes tout, il ne faut pas que tu excèdes le 1. Fait que si tu mets 1 du point de départ, ben tu as déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 sources d'exposition. Il faut plus les sources d'exposition de la consommation de l'eau, le poisson, encore toutes les différentes sources. Fait qu'on commence déjà un point plus faible, plus bas que le 1, okay. pour tenir compte du fait quand on les additionne Très le bien. Tout. Alors, dites-moi comment se répartit le 1.
OK, là, peut-être, là, je passe la parole aux autres, parce que là, vous êtes à un autre niveau. Alors, comment se répartit le 1 millisievert par année? À travers ce qui est inhalé, ce qui est ingéré, ce qui est bu. Comment se répartit le 1 millisievert? Not sure I... Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Claire, c'est la faute de votre collègue. D'accord. Je pense que je comprends votre difficulté. Je peux reprendre la question. Ce que votre collègue m'a donné comme information, c'est que le niveau de référence de 0,1 millisievert a été établi pour chaque radionucléide. Dans ce cas-ci, c'est pour la voie respiratoire, mais il y a également un niveau de référence pour la voie orale, il y a également un niveau de référence pour l'ingérer et le bu. Donc, mais dans la mesure où, si j'ai compris sa réponse, que le tout, tous les niveaux de référence additionnés devraient être égaux à 1. Alors, donc je vous ai demandé quels sont les niveaux de référence pour le reste, pour arriver à 1. Nous avons fourni ces chiffres simplement pour indiquer le taux individuel des radionucléides dans ce contexte. Quand on fait une exposition aux membres du public, c'est théorique ou existant. Dans ce cas, et c'est pour la voie respiratoire et la voie de l'ingestion, pour les scénarios d'exposition. Et ça doit toujours être inférieur à 1. Dans ce cas, toutes les stations... La raison pour laquelle nous avons procédé de la sorte, c'est parce que toutes les stations sont sur la propriété. Il n'y a pas d'exposition pour les membres du public dans ce contexte. Et on n'a pas de facteur de correction de bruit de fond. Donc, c'est un rejet, c'est sur une seule propriété. Donc, quand on est aussi bas que 0,1, on a confiance que quand on sortira de la propriété, quand on touchera l'exposition du public, eh bien, à ce moment-là, ce ne sera pas trop haut quand même. Par exemple, la collectivité la plus proche de ces mines est à 30 km au moins. Parce que ce n'est pas ma présentation. Le point 1 qui est ici, c'est juste un point de référence. Ce n'est pas un point de contrôle. Ça a juste été mis pour une façon illustrative pour dire, voyez, point 1 millisievert et là, la barre rouge. Regardez comment c'est un niveau pas mal plus faible. Fait que c'était juste un point de référence. Ce n'était pas pour dire qu'on contrôle à 0.1 millisievert, puis là, on les additionne tout. Je pense que c'est là que... Fait que je viens d'y en parler. Ça ne fait pas partie des calculs. C'était juste d'une façon illustrative pour être capable de dire la barre rouge, c'est l'équivalent de 0.1 millisievert, juste pour te donner une idée. Fait que c'est ça que M. Barre vient juste de m'expliquer. Ça, c'est clair. Merci. Je voulais vous demander une chose, peut-être au ministère de la Santé avant. Madame Schneller. Bon, excusez-moi. Vous n'avez pas pratiqué au souper. J'ai pratiqué au souper. J'ai pratiqué, je vous assure, ma collègue m'a fait pratiquer. Schneebelen. Oui. Bon, voilà. Quelle est la valeur limite pour le radon, les concentrations auxquelles on peut être exposé dans la population en général? Excusez-moi. Il y a une directive, une ligne directrice canadienne actuellement sur le radon qui a été d'ailleurs abaissée en 2007. Elle est fixée à 200 becquerels par mètre cube d'air. Okay. Madame Côté, au Québec, c'est la même chose? On applique cette ligne directrice-là. OK. Très bien. Donc, à partir des résultats que vous avez obtenus sur les produits de filiation du radon, on voit bien que à l'intérieur d'une distance de 2 km, vous avez obtenu, entre autres, la planche 9, si vous la cherchez, vous avez obtenu du moins une valeur
qui excède le 200, même si, en fait, c'est plusieurs, c'est une moyenne, puisqu'il y a des écarts types, là. Est-ce que ceci vous amène à considérer une distance minimale de 2 km s'il devait y avoir des personnes qui vivaient proches d'une mine d'uranium? Malcolm McKee, for the record. That was Malcolm McKee, au fin de la transcription. C'est un des objectifs de cet exercice. Si on prenait toutes les mines, toutes les usines qui existent, avec toutes les sources et toutes les émissions, et si on les classait en fonction de la distance, cette source à 0.1, on pourrait dire qu'on a atteint le niveau de bruit de fond. On a établi ces exemples en prenant 2 km en tenant compte du bruit de fond dans ces usines. Ici, le point de référence est un peu trompeur. Ici, c'est à zéro parce que nous avons mesuré la distance depuis ce point jusqu'au centre de la source. Donc, ces stations sont à la périphérie de la source, juste au bord de la source, et on a mesuré au centre. C'est comme si c'était une tarte, si vous voulez dire, avec un centre. Répondez à la question. Il y a deux aspects. Fait que, un, c'est sûrement une façon qu'on pourrait déterminer à dire s'il y avait une distance d'un point, un point d'émanation de radon, de maintenir une distance pour le public. Fait que c'est le site minier qui se trouve dans un milieu, proche d'un milieu urbain en particulier. La seule chose qu'il faut quand même tenir compte, c'est que c'est pour des teneurs très élevées. Alors, on peut s'attendre pour une mine, selon les teneurs qu'on a vues, là, les données qu'on a vues il y a déjà quelques semaines, on peut s'attendre que les taux de radon vont être encore plus faibles parce que les teneurs sont beaucoup plus faibles. Les taux de radon dans les mines, quand on parle de McArthur, Cigar Lake, c'est des teneurs beaucoup plus élevées. Alors, on s'attend déjà à des concentrations de radon plus élevées. Fait qu'il y a peut-être une façon, on peut peut-être voir s'il y a une façon de catégoriser la teneur avec le taux de radon. Mais c'est quand même, oui, je peux dire que c'est quand même une façon, tenant compte du fait qu'avec des mines, si on a des teneurs de 15 à 1 %, puis qu'on voit que déjà à 2 km, on atteint le bruit de fond, je pense que c'est raisonnable de s'attendre de voir les mêmes résultats avec des teneurs plus faibles. Donc, si je vous comprends bien, les résultats que vous nous présentez semblent globalement indiquer que les populations limitrophes qui vivraient à côté d'une mine, mettons à une distance de 2 km, aurait une exposition inférieure à 1 millisievert par année, globalement. Maintenant, je m'adresse à vous, Mme Schnellbeden. Excusez-moi, mais je vais éviter de dire votre nom, parce que je ne veux pas le massacrer trop longtemps. Dans le rapport qui a été réalisé par l'Institut national de santé publique, on précise dans la synthèse du début, tant à la synthèse qu'à la conclusion, page 5 en latin ou page 209 en chiffres arabes, et je cite, « Il apparaît qu'il existe une possibilité que l'exploitation uranifère engendre une exposition supplémentaire pour la population et que la valeur de 1 millisievert par année ainsi que l'indice de risque IR soit supérieur, soit dépassé, supérieur à 1, soit dépassé. » Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi repose cette conclusion, considérant que les résultats qui viennent de nous être présentés indiquent plutôt le contraire? Je vais renvoyer la question aux experts et auteurs du rapport de l'Institut, si vous le permettez. Les données que nous avons regardées concernent... Madame Bourgault. Oui, désolée. Pour les fins de... Oui, Marie-Hélène Bourgault, INSPQ. Les données qu'on a regardées pour notre rapport proviennent d'articles scientifiques qui avaient été révisés par les pairs. Donc, c'est notre source de données de littérature que nous avons utilisée pour les faire.
ce qui est différent d'un programme de surveillance environnementale réglementaire où on suit des données des minières. Donc, ça, c'est une revue de la littérature. Et puis, les données proviennent de partout dans le monde, des sites miniers uranifères répartis partout dans le monde. Il y en avait au Canada, en Saskatchewan. Il y en avait en Ontario, il y en avait dans plusieurs autres pays. Donc, comme on en a parlé cet après-midi, c'était un scénario générique. Puis avec un scénario que nous avons bâti aussi, qui n'est pas nécessairement le même que la CCSN utilise pour faire ses calculs. Donc, avec notre scénario, on voyait que dans certaines circonstances, l'exploitation de la mine pouvait engendrer une exposition supplémentaire. Puis dans des circonstances encore plus spécifiques ou avec un scénario conservateur, on voyait qu'il y avait la limite de dose d'un millisievert pouvait être dépassée. Et je me souviens plus du détail, peut-être c'est écrit dans le rapport, mais jusqu'à quelle distance de la mine? C'était difficile à évaluer. Les données où on voyait des dépassements des limites de dose, souvent les auteurs ne les rapportaient pas nécessairement. Donc, ce n'était pas toujours lié. Là, les données où il y avait des dépassements ne venaient pas nécessairement avec des données sur la distance. Donc, celle-là, on ne pouvait pas l'évaluer. C'était des contextes, toutes sortes de contextes, là, pas nécessairement des mines actives. Monsieur Leclerc. Malcolm McKeith. Malcolm McKeith. Pour la Commission de la sûreté nucléaire, une partie de la difficulté avec la littérature, c'est que la majorité de cette littérature scientifique est fondée sur l'évaluation des sites miniers abandonnés qui n'ont pas encore été fermés ou des matériels, des équipements. Eh bien, ils sont toujours, des maisons ont été construites sur des sites de débris miniers abandonnés. Et dans ces environnements non contrôlés, qui ne relèvent pas des pratiques modernes d'aujourd'hui, il subsiste un risque d'exposition aux membres du public, exposition à du radon et autres à des niveaux inacceptables. Et le problème, c'est comme nous l'avons déjà dit, que cette littérature actuelle, cette information est quelque chose que nous devons diffuser publiquement, que nous devons inclure dans la littérature scientifique. Mais si on est limité à regarder ces études, la plupart de ces études actuellement portent sur des sites orphelins historiques. Donc, vous avez fait valoir, parce que évidemment, on touche quelque chose d'assez important là. Vous avez fait valoir l'effet que la revue de la littérature, contrairement à vos travaux, en fait, ce sont des travaux que vous avez menés ou que ce sont les minières qui ont mené? Dans notre cadre réglementaire, les détenteurs de permis doivent respecter des programmes tels que le suivi environnemental qu'ils doivent soumettre aux membres du personnel pour qu'il y ait révision, pour acceptabilité. Ils doivent également avoir en place des procédures de contrôle de la qualité et doivent s'assurer d'utiliser des laboratoires certifiés. Mais là, si j'ai des données provenant des compagnies minières qui sont soumises à des fins réglementaires qui sont examinées à des fins de précision par le personnel de la CCSN. Récemment, la Commission nous a donné un mandat d'élaborer notre propre programme de suivi indépendant et nous avons de beaucoup approfondi notre laboratoire. Un de nos laboratoires sera un des premiers laboratoires de radionucléides au monde avec donc le laboratoire de l'AIAA. Cependant, nous
mettons également sur pied un nouveau programme qui nous permettra d'y aller de façon indépendante. Nous connaissons une situation où les gens nous disent, écoutez, je ne me fie pas aux données cueillies par les entreprises, mais c'est un programme que nous venons tout simplement de démarrer. Alors, je reviens, donc je poursuis avec ma question. Ça sera pas... donc, d'un côté, vous nous dites que les données, la revue de la littérature, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs études qui ont été réalisées sur des mines abandonnées. Mais d'un autre côté, vous nous dites que pour le Canada, il va falloir faire attention parce que les teneurs sont très élevées. Alors, je vous suis bien jusqu'à maintenant. Donc, si les teneurs sont très élevées, comment se fait-il que pour des mines abandonnées dont la teneur est moindre, on arrive à une conclusion qui est autre, en dépit de la technologie qui est actuellement en place au Canada? Je veux juste comprendre qu'est-ce qui peut faire cette différence. Malcolm McKeith, fin du procès-verbal. Alors, si j'ai bien compris la question, la préoccupation, c'est que si nous constatons des chiffres élevés, des taux d'exposition à des opérations à plus faible niveau, est-ce que on s'attendrait à avoir des taux d'exposition encore plus élevés à de plus forts niveaux d'opération, comme on le voit à Saskatchewan. Est-ce que c'était ça votre question? Et l'enjeu n'est pas tellement le niveau, ce n'est pas vraiment la teneur, ce sont les pratiques de contrôle. Donc, dans les opérations historiques, il faut tenir compte de la teneur. C'est pour ça que je vous ai relancé. Si vous me permettez, excusez, pour vos écouteurs, si vous me permettez, je pense que quand que M. Leclerc discutait des teneurs, c'était pour expliquer qu'on pouvait avoir des concentrations élevées dans des, à des distances rapprochées, particulièrement avec les sites qu'on a avec des mines qui ont des grades assez importants. Il y a un cas séparé, différent, qu'on discute par rapport à la littérature, où ce que c'est des mines qui ont été abandonnées et qui n'ont aucun contrôle d'accès, et les personnes utilisent des produits miniers pour construire, pas des produits, mais des restants de la mine, pour construire leur maison. Donc, c'est deux impacts différents. On ne parle pas, dans la situation canadienne, d'aller vivre sur les sites miniers puis d'en construire des maisons avec le matériel qui en reste. Bon, je vais poser pour le moment une dernière question au ministère de la Santé, puis ensuite on fera d'autres choses, puis ça me permettra de récupérer mes esprits pour d'autres questions. Dans la revue de la littérature dont vous êtes responsable, réalisée par l'INSPQ, est-ce qu'effectivement il a été constaté que les mines qui ont été étudiées étaient d'anciennes mines où il y avait eu des technologies ou des façons de faire douteuses qui auraient entraîné des augmentations des niveaux de contamination qu'on ne retrouverait pas aujourd'hui? Je vais laisser la parole à M. Patrick Poulin de l'Institut, conseiller scientifique.
Monsieur Poulin. Oui, bonjour, Patrick Poulin, conseiller à l'Institut de santé publique. Donc, effectivement, je pense que c'est important de remettre notre revue littérature en contexte. Donc, on a travaillé sur toutes les données scientifiques internationales en lien avec des exploitations uranifères, pour lesquelles on a tenté, à partir de scénarios génériques et fictifs, de voir quelles seraient les voies d'exposition qui engendrerait le plus d'atteintes à la santé et des niveaux d'exposition les plus élevés parmi toutes sortes d'installations uranifères, dont des inactives, dont des mines abandonnées. Et puis, je tenais important de souligner peut-être la teneur des résultats qu'on a rapportés. Donc, effectivement, on a identifié des dépassements du 1 millisievert dans quelques occasions. Et puis, je parcourais les résultats bruts qui vont peut-être être présentés un peu plus tard. Pas demain, oui, effectivement, je prends de l'avance. Et puis, les dépassements observés, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde, c'est en grande majorité des mines inactives, donc des sites abandonnés pour lesquels il n'y a aucune mesure de confinement de la radioactivité, de rétention, de filtration. Donc, c'est pour ça que les concentrations peuvent être élevées dans certaines matrices. On parle ici spécifiquement des poissons, des moules, pour l'eau aussi, si je m'abuse, à certains endroits, exactement, et dans des contextes où, exactement, la mine est lessivée, tout est laissé à l'environnement, et pour lesquels des populations fictives, si consommaient ces matrices-là, occasionneraient un dépassant de la ligne, de la limite de dose acceptable d'un millisievert. Merci. Je voudrais poser une dernière question pour ma part à M. Barre. Serait-il possible de nous donner les tableaux que vous avez avec les valeurs ontariennes? Vous avez présenté des tableaux avec les limites prescrites par la réglementation ontarienne? Ah, excusez, oui. On pourrait voir les numéros, là. C'est les limites... ceux qui ont des barres rouges, là. Oh, which one? Les matières rouges. OK. The atmosphere ones. Right? Yeah. Le voici. The calculations are in the report. Oui, exactement. Ces tableaux-là. Serait-il possible, sur le même tableau, d'ajouter une barre d'une autre couleur pour en mettant les valeurs du règlement québécois sur l'assainissement de l'atmosphère? Oui, absolument. Et je viens juste d'en discuter avec Malcolm avant qu'on ne présente. On utilise ces données normalement parce que c'est par rapport à ce qu'on voit au Saskatchewan, donc l'Ontario préside. Mais ici, on a comparé aussi au numéro québécois pour en faire la comparaison. Et M. McKee peut vous donner ces numéros-là, si vous voulez, à l'immédiat, ou on peut reproduire la graphique. Ce serait intéressant d'avoir le graphique. Ça nous donnerait une valeur visuelle plus simple à comprendre. Et quand on les présentera, je pense qu'il y a aussi un côté informatif pour le public. Ça permet de comprendre. Absolument. Par rapport ça nous fait plaisir. On peut vous remettre cette graphique, mais je noterais qu'en comparaison avec les niveaux québécois, c'est très similaire. Ça doit être très semblable, j'imagine. Exactement. Les niveaux tombent bien en dessous des niveaux de référence du Québec. D'accord. Pour ces mêmes matériaux. Mais l'important pour moi, là, dans ma tête, c'était de me dire que ça peut être une valeur informative pour les Québécois. Donc, on prend ça comme... D'accord. Merci. Est-ce que, Michel, vous avez des questions? Non? Alors, écoutez, on vous remercie. Oh, pardon. Oui, j'ai deux questions. Je m'excuse. J'ai deux personnes. J'ai d'autres questions. Et tu as d'autres questions? Ah, bon. Alors, d'accord. C'est pas terminé, loin de là. Alors, j'appellerai M. Fafard pour ces deux questions. Alors, tu veux revenir avec ton question? Oui. D'accord. Parfait. Allez-y pour une première. Oui, première question. Dans la présente présentation, on a vu qu'il y avait des données selon un rapport d'évaluation de la Commission de la sûreté nucléaire de 2000 à 2012, des données qui avaient été enregistrées qui dépassaient certains niveaux que la Commission a su faire baisser avec une amélioration de technologie. Ma question est, pendant combien d'années ces données ou pendant combien d'années est-ce que ces rejets ont dépassé les teneurs voulus ou visés? Monsieur McKee. Malcolm McKee for the CNS. Malcolm McKee pour la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Une des raisons pourquoi nous avions livré cette présentation à partir de l'an 2000, c'est lorsque la loi est entrée en vigueur avec le nouveau mandat qui portait sur les substances dangereuses et un mandat de protection environnementale plus fort. Donc, avant 2000, l'ancien organisme de réglementation n'avait pas de mandat de régir les substances nucléaires dangereuses. Donc, nous nous sommes contrés donc l'uranium, le sélénium et le molybdénum en vertu de la réglementation Saskatchewan. Cependant, même s'il n'avait pas dépassé les limites réglementaires, nous avons déterminé que ces niveaux n'étaient pas acceptables et nous avons exigé un traitement. Et pour ce qui est des autres deux substances, ce n'était pas des substances réglementées, c'est seulement grâce à notre évaluation des risques et des programmes de suivi que nous avons pu les identifier. Nous avons pris des mesures, mais tout ceci a été régi par notre mandat sur les substances dangereuses qui n'existaient pas auparavant. Pour vous donner une idée, fait que la limite réglementaire qui existait pour l'uranium, si on prend l'uranium, était 2,5 mg par litre, la limite réglementaire. Là, on a établi un objectif de 100 microgrammes par litre. Suite à la déclaration de l'uranium étant toxique, c'était l'évaluation qui a été menée par la CCSN. Sélénium, on avait des limites de 0,6 microgrammes par litre. Puis même, je pense qu'on donne dans nos données, on l'indique la limite. Puis là, on met un astérix, puis on indique que c'est pas... Pour la CCSN, on établit des objectifs beaucoup plus... un niveau beaucoup plus faible. Fait que les mines respectaient les normes, ils respectaient les limites, mais c'est nous qu'on a baissé les limites en fonction des résultats qu'on voyait et ce qu'on a mentionné au point de vue de l'uranium, le molybdénum puis le sélénium, parce qu'on a déjà parlé quelques fois, là, le raisonnement qui a apporté les changements. Monsieur Fafard, votre deuxième question. En Saskatchewan ou au Canada, mais parlons plutôt de la Saskatchewan, puisqu'en Ontario, il y a peu de mines. Je laisse la question pour le Canada en entier. Combien de mines actives y a-t-il qui sont sous la juridiction, ils sont tous, de la Commission de la sûreté nucléaire? Combien de mines abandonnées, combien de sites miniers uranifères au total existent-ils présentement au Canada? Comprenant les mines actives... Non actives, en suivi, en libéré, en historique, abandonné, de toutes les formes. Combien de sites uranifères miniers existent-ils au Canada? Saskatchewan, Ontario. Je pense que c'est une question qu'on a répondu au début, parce que ça nous a été demandé, puis on a fourni un tableau très détaillé qui donnait les sites non actifs puis les sites d'exploitation. Je me souviens des tableaux, en tout cas. Ça a déjà été fourni au BAP. Alors, selon moi, je pense qu'on peut juste partager les informations. Par contre, s'il y a quelque chose qui manque, mais je pense qu'on vous a fourni les détails. Je n'ai pas les chiffres ici en main, là, mais on a fourni ces informations-là avec le questionnement qui est venu avant. Notre analyste qui a préparé la question et qui a vérifié la réponse nous fait signe qu'effectivement, on a posé cette question-là. On pourra voir sur le site du BAP à ce moment-là, dans la série questions, la réponse à votre demande. Vous pourrez vérifier avec notre analyste en arrière. Il pourra vous référer au document qui va donner la réponse à votre deuxième question. D'accord? Merci. Alors, docteur Elisabeth Robinson. Bonjour. Donc, vous m'avez identifié. Je voulais demander aux gens de la commission à vous aussi, s'ils avaient mesuré la radioactivité dans l'eau des effluents des mines et si c'est rapporté dans leur rapport. Monsieur Leclerc. Oui, alors le rapport qu'on mentionne, qu'on va déposer, donne tous les résultats des mesures environnementales dans les effluents. C'est ça inclut. Nous avons demandé, Dr Robinson, un portrait des rejets avec les différentes valeurs sur un horizon depuis l'an 2000, si je me rappelle bien. Alors, ils sont en train de confectionner ce rapport et devraient nous le remettre. Monsieur McKee m'a clarifié, c'est les résultats dans l'environnement que le rapport donne les détails. Dans l'environnement, les concentrations,
il vient de me clarifier. Puis on a un suivi à vous faire au point de vue des effluents. C'était une des questions que vous avez apportées tantôt. Il vient de clarifier avec moi le document qu'on a publié, c'est les résultats dans l'environnement après le rejet. Mais vous allez compléter en nous donnant l'information au point de rejet dans l'effluent. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans l'environnement en général à 2 km, 5 km, mais est-ce qu'on pourrait l'avoir au point de rejet avant la dispersion ou la dilution? Oui, Malcolm McKee for the record. Malcolm McKee, au fin du procès-verbal, nous avons des données extrêmement détaillées sur les effluents. Je ne sais pas si c'est déjà un engagement, mais nous pouvons certainement vous fournir un résumé. J'ai compris la question de ma collègue, c'est qu'on voudrait le rejet, au point de rejet et les limites ultérieures, si vous les avez. C'est bien ça, non? On se comprend. D'accord. Donc, Dr. Robinson, on n'a pas les données présentement, mais ils sont en train de compiler pour les 5 grandes mines canadiennes qui sont actives ces données pour qu'on ait un tableau complet des émissions et des rejets. OK, mais est-ce qu'on mesure la radioactivité ou plutôt les radionucléides individuels? We have data for. Nous avons des données pour toutes les radionucléides, toute la série. De chacun. OK, mais pas le total. C'est pas pertinent de mesurer la radioactivité totale de l'eau comme. Peut-être que ce n'est pas pertinent parce que vous avez chacun des radionucléides. Ben, la totalité, c'est la totalité des radionucléides qui sont mesurés. Je ne sais pas, je comprends pas la question. Mais... La radioactivité, on ne la mesure pas de la même façon que la concentration de radionucléides. C'est ça. Si j'ai bien compris la question de madame, j'ai de la difficulté à la traduire, dans le sens que quand on prend une mesure de radioactivité, c'est en émission, puis quand on prend une mesure de radionucléides, c'est en concentration. Elle demande, est-ce que vous mesurez la radioactivité? Comprenez-vous? Je pense que je comprends la question. Puis, en effet, quand on mesure des radionucléides particuliers dans l'eau ou dans d'autres substances, ce qu'on mesure, c'est l'énergie qui est émise par la radionucléide, et puis on peut déterminer depuis quel radionucléide ça provient. Donc, on mesure les radionucléides en mesurant leur émission. L'énergie qui indique la radioactivité. La radioactivité totale nous donnerait beaucoup moins d'informations par rapport au risque potentiel que le nombre de becquerels par litre de chacun des radioisotopes, parce que c'est selon le nombre de becquerels par litre qu'on calculerait la dose qui serait associée. OK, merci. Je ne sais pas si ça va aider, je vais prendre un petit peu une chance. Si j'avais une source radioactive, disons que j'avais un échantillon de concentré d'uranium, puis je prendrais mon échantillon puis je le déposerais ici dans mon conteneur, puis je le mets dans le fond du conteneur, puis je prends mon instrument pour mesurer la radioactivité, j'aurais beaucoup de misère à mesurer la radioactivité, parce que l'eau agirait comme blindage. Je m'en sers des fois dans mes démonstrations quand je vais dans les communautés pour montrer aux gens comment l'eau agit comme blindage, ça bloque les rayonnements. Fait que quand ils font les mesures des radionucléides, ils sont obligés de prendre des gros volumes d'eau, ils font une évaporation de l'eau pour concentrer les éléments radioactifs à des concentrations assez élevées pour qu'ensuite ils puissent les mesurer avec les instruments. J'apporte la clarification parce que je pense que des gens ont l'idée là, que l'eau contaminée, qu'elle rayonne, qu'elle donne des rayonnements gamma assez importants, ça peut se faire dans des conditions mais des concentrations très élevées. Mais en général, on regarde à des quantités, à des niveaux assez faibles. Alors, ce n'est pas quelque chose avec un instrument qu'on va mesurer juste avec un échantillon d'eau. Quand on parle d'environnement, on parle des niveaux faibles, les niveaux qu'on mesure. Joseph. Oui, avant de terminer ce chapitre, j'aimerais savoir, on a parlé tout à l'heure de bruit de fond, avec le bruit de fond, sans le bruit de fond. Tout d'abord, est-ce que
Vous avez, à votre connaissance, est-ce que les minières ou vous aviez déterminé le bruit de fond dans certaines mines d'uranium en Saskatchewan ou ailleurs? Fait que l'évaluation environnementale qui débute tout projet minier, c'est toute une caractérisation du site. Mm-hmm. Alors, ça fait toute partie de l'évaluation environnementale. Que le bruit de fond variait de 1 à 13 millisieverts, dépendamment des micro-environnements. Quel est le bruit de fond dans le plus élevé que vous avez retrouvé dans les mines que vous avez étudiées? On n'a pas les données avec nous. On peut aller vérifier. Là. Monsieur Mikey me dit qu'il n'y a pas les données au bout des doigts. Alors, on peut vérifier pour vous et on peut vous revenir pour voir donner les données. Maintenant, Mme Côté, vous, dans vos études environnementales ou les études d'impact que vous exigez, de façon générale, vous demandez la caractérisation du bruit de fond, n'est-ce pas? Oui. Et lorsque vous appréciez la contribution, que ce soit d'une mine ou peu importe l'industrie elle-même, là, lorsque vous voulez connaître l'exposition d'une population riveraine à cet emplacement, à cette industrie, est-ce que vous tenez compte du bruit de fond? Oui. Donc, vous additionnez les concentrations. En fait, vous faites donc l'évaluation de la concentration totale. Oui. Dans l'air et dans l'eau, oui. Total. Oui. Et donc, pour vous, M. Leclerc, vous avez, je n'ai pas très bien compris, vous excluez le bruit de fond de l'appréciation du niveau d'exposition? Quand on calcule la dose additionnelle qui provient des activités minières, on enlève le bruit de fond dans le calcul. Parce qu'on veut calculer la dose additionnelle qui provient des activités minières et non la dose qui est déjà le bruit de fond. Alors, mais pour, mettons, une population autochtone qui reste dans les environs, la population autochtone va être exposée à un risque, c'est-à-dire elle va devoir elle-même faire l'exercice pour calculer le risque auquel elle est exposée. Ça veut dire que le risque généré ou associé à la présence de la mine plus le risque relatif au bruit de fond. N'est-ce pas? C'est ça? En somme, l'exposition, c'est le résultat du bruit de fond plus ce que la mine émet. Oui. Alors, et ça, ça définit le risque. Mais quand vous parliez d'avoir des communications, je sais qu'il y a quelques jours, vous mettiez l'accent sur l'importance de la communication avec les communautés, entre autres autochtones. Est-ce que l'information que vous transmettez à ces communautés touche le risque global ou le risque uniquement généré par la minière? Nous, on parle du risque qui provient de la mine, mais pour nous, si on a une dose de 3, 4 millisieverts naturels, on ajoute un millisievert, selon nous, ça n'impose pas un risque additionnel. Je sais qu'on vient d'en parler beaucoup, là, puis je pense qu'il y a des clarifications qu'il faudra qu'on apporte. On y a touché un petit peu. Quand on dit en bas de 100 millisieverts, on ne voit pas d'effet, c'est du épidémiologique. J'ai compris, là. Je sais qu'on a un besoin d'essayer d'amener une documentation pour essayer de clarifier un peu plus. Pour nous, on voit des doses quand même assez importantes dans la population générale, naturellement. Mais nous, on n'est pas en train de faire... on n'a pas dit à aucune organisation à dire il faut faire de quoi, là, parce qu'on voit des gens qui ont des taux d'exposition naturellement parce qu'ils consomment certains aliments qu'on sait qu'ils peuvent avoir des concentrations un peu plus élevées naturellement, qui existent depuis des siècles et des siècles et des siècles. C'est pour ça que c'est pas aussi simple de dire il y a un... Puis c'est là que le fameux 1 millisievert additionnel, c'est quoi le risque actuel? Puis c'est ça, c'est là qu'on commence à se lancer dans d'autres aspects
T'sais, l'alimentation et concentration dans les aliments, c'est pas aussi simple. Pour nous, notre position, la dose naturelle auquel les gens sont exposés n'est pas suffisamment élevée que pour nous, on se dit, t'sais, arrêtez de manger le poisson, arrêtez de faire quoi que ce soit selon les calculs qui sont donnés, parce que le 1 millisievert, pour nous, ce n'est pas une dose qui, selon nous, impose un risque inacceptable, qui apporte un risque qui, selon nous, n'est pas raisonnable, parce qu'on voit déjà des études qui disent, en bas de 5 millisieverts, on ne voit pas d'effet. Les études épidémiologiques, on ne voit pas d'effet en bas de 100 millisieverts. Fait qu'on ne va sûrement pas arrêter les gens de faire des activités traditionnelles, par exemple, qu'ils font depuis des siècles et des siècles, parce qu'on voit, on fait nos calculs, puis on dit, bon, la moyenne de la population est 2,5, mais présentement, vous avez 5 millisieverts, puis vous êtes exposé à 5 millisieverts depuis des siècles, parce que c'est vos territoires traditionnels. C'est pour ça qu'on... c'est des sujets même... c'est de valeur que M. Irvine, le Dr. Irvine, qui vient du nord de la Saskatchewan, je sais que je pense que vous avez essayé de l'avoir, parce que c'est des discussions que lui amène au point de vue de les difficultés de consommation, par exemple, où les gens deviennent tellement craintifs du point de vue des dangers de la radioactivité, qu'ils arrêtent de consommer le gibier, qui n'a pas vraiment de danger au point de vue de leur santé, mais ils ont des craintes, alors ils commencent à manger d'autres choses, comme le poulet frit, des affaires qui font en sorte qu'ils ont des effets sur leur santé beaucoup plus sérieuses, des problèmes d'obésité, de diabète, mais c'est pas... Puis j'hésite d'en parler trop parce que c'est vraiment pas mon domaine d'expertise. Le Dr. Irvine, il y a un rapport, puis j'espère que vous l'avez. Si vous l'avez pas, on peut sûrement vous le donner, où ça commence à toucher ces aspects qui sont tellement délicats quand on commence à interpréter la dose, puis c'est quoi le risque réel, puis qu'est-ce que ça apporte au point de vue des risques qui peuvent être encourus d'arrêter les gens de faire les activités qu'ils font déjà depuis longtemps puis qu'on ne voit pas d'effet sur leur santé. Fait que je ne veux pas... En tout cas, c'est j'aimerais, tout... J'aimerais juste vous rassurer d'une chose. Le président l'a souligné ce matin. S'il y a une chose dont on peut vous assurer, c'est que le rapport que nous allons écrire, ça sera un rapport dont la caractéristique première, c'est la rigueur. Donc, c'est pas un feuillet publicitaire, c'est pas un feuillet pour dire aux gens « faites attention », mais d'un autre côté, il est clair qu'il faut que nous comprenions très bien ce que ça sous-tend, et c'est la raison pour laquelle on travaille là-dessus, mais jamais il faut interpréter nos questions de quelque façon que ce soit comme étant... une intention d'ameuter la population. Je veux juste vous rassurer de ce côté-là. Oui, mais avant de vous venir, Mme Côté, je voulais avoir l'avis du ministère de la Santé par rapport à cette information additionnelle que M. Leclerc vient de présenter, à l'effet que la contribution additionnelle de 1 millisievert par année est très marginale. Bien honnêtement, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus que ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Ben, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous êtes en désaccord? Et pourquoi? Écoutez, je ne suis pas certaine qu'on puisse prendre position pour être en accord ou en désaccord avec le 1 millisievert. Bien honnêtement, ce n'est pas vraiment le rôle du ministère de la Santé, puis je pense que ce ne sera pas le rôle non plus ni la mission de l'Institut national d'être d'accord ou pas. Je vais prendre ça autrement. Quelle est l'importance que vous accordez à la norme de radioprotection, de l'Agence de radioprotection, qui dit que c'est 1 millisievert par année? Est-ce que vous avez l'intention de l'appliquer? Est-ce que vous avez l'intention de la relativiser comme M. Leclerc vient d'indiquer? Ou est-ce que vous avez l'intention de la rendre plus sévère? Écoutez, c'est une responsabilité fédérale, ce n'est pas une responsabilité provinciale. Donc, on n'est pas dans l'application de cette norme-là.
Bien, je ne vois pas vraiment qu'est-ce que je pourrais... Mais je veux dire, si demain matin, le gouvernement autorisait l'exploitation de mines d'uranium, quelles normes le Québec va appliquer? Qu'est-ce qu'on va exiger? Qu'est-ce que ça me souhaite? Pardon, Mme Côté, allez-y. J'ai vraiment fait une blague, la norme que vous recommandez le BAP. Non, mais si vous n'êtes pas capable de répondre, prenez-le en différé, puis essayez de nous revenir avec une position. On va essayer de revenir avec une position, mais je suis pas certaine qu'on va pouvoir le faire, mais on va prendre la question. Puis, Madame Côté? Oui. Ce que je voulais rajouter tantôt, lorsque vous m'avez demandé, bon, quand vous faites normalement des évaluations, vous considérez le bruit de fond plus qu'émet la minière. Et présentement, par contre, dans les travaux de réflexion, parce qu'il y a beaucoup de travaux de réflexion en vue de voir quels seraient nos critères et quelles seraient nos normes, je ne pourrais pas vous les dire aujourd'hui parce qu'on continue notre réflexion et les recommandations du BAP là, vont être prises en compte et beaucoup d'autres réflexions, mais il y a déjà des idées et des orientations sur la table. Et dans le cas de la radioactivité et des normes, puis les gens de la présentation de toxicologie ont dit on va vers des critères de temps plus et non pas sur un total considérant le bruit de fond comme dans d'autres critères qu'on a là. Comme on a parlé, bon, pour l'eau de 10 microgrés à l'heure, 40 microgrés à l'heure. Alors, on y va vraiment plus sur l'ajout. Donc, ça va être à considérer. On va voir, on s'attend à des bruits de fond différents dépendant où on va être. Et ce qui va être présentement notre tendance, là, c'est d'aller un peu dans le plus 1 millisievert, si on veut, c'est d'aller plus vers des normes qui vont dire, bon, ben, vous allez avoir, il ne faudra pas que ça dépasse tant de plus que le bruit de fond qu'on aura déterminé. J'aimerais avoir l'avis du ministère de la Santé. Lorsque nous nous retrouvons dans un environnement où le bruit de fond est très élevé, il y a deux approches. Soit qu'on dise que l'ajout éventuel d'une valeur qui découlera d'une activité industrielle va être relativement petit par rapport au bruit de fond, que bon, ça va. Il y a une autre approche qui dit, attention, les valeurs du bruit de fond sont déjà très élevées, alors il ne faut surtout pas en ajouter. Ça serait quoi votre position? Parce que quand on se retrouve dans des situations semblables aux mines d'uranium, on comprend qu'on s'attend, j'imagine, à la retrouver une radioactivité plus élevée, proche du gisement quand même. Alors, si on a avec des teneurs quand même de l'ordre de 20 % notamment dans les mines du Saskatchewan, des teneurs de 20 % qui vont jusqu'à 20 % n'est-ce pas? Oui. Alors, vous avez demandé pour vous donner des données, puis je pense que vous allez voir que le bruit de fond des mines existantes et pas nécessairement des taux extrêmement élevés. Non, mais de toute façon, je comprends un mauvais exemple, là, mais... Oui. Alors, ce que je veux savoir, dans des environnements où le bruit de fond est déjà très élevé, est-ce que vous auriez tendance à relativiser, de dire c'est pas grave, ou l'inverse? On aurait tendance à aller vers la deuxième proposition que vous avez faite, c'est-à-dire d'intégrer, de considérer le bruit de fond, s'il est déjà élevé, de dire que c'est suffisant. On le fait, par exemple, pour le bruit. OK. C'est bon. C'est tout pour moi. Merci. J'ajouterais à Mme Côté le bruit de fond. Pourquoi on ne calcule pas par rapport à un milieu de référence? Sinon, par hypothèse, là, quelqu'un peut se retrouver dans un milieu où il y a 6 millisieverts, puis on ajoute un, ça fait 7, puis l'autre, ça serait 2 plus 1, ça fait 3. Pourquoi le niveau serait total, qui est considéré normal dans un milieu, serait-il différent d'un endroit à l'autre? Je ne faisais seulement vous rapporter habituellement, puis j'avais répondu oui, parce que
pour les autres, toutes les autres métaux que je connais, air et tout ça, on prend, on donne déjà le bruit de fond, on fait la modélisation. Et moi, ce que je vous ai amené, c'est que les réflexions présentement on allait beaucoup plus vers une dose, là, un 10 microgrés à l'heure, entre autres pour l'eau, là, maximale là, d'augmentation. Ça va faire partie, lorsque le document sera déposé dans nos orientations, qu'on aura une réflexion, pourquoi le bruit de fond. Mais je pense qu'on, je suppose que de façon globale, présentement, le bruit de fond est mis à part dans une pièce fermée et pas un niveau d'inquiétude. Là. Mais alors, je ne vais pas m'avancer dessus. Je ne m'avance pas. Juste pour être bien sûr d'avoir compris, dans le cas des études d'impact de mines actuelles ou d'autres projets industriels actuels, on cherche à trouver un endroit ailleurs où il n'y a pas d'impact, puis on compare l'impact de l'ajout d'une activité. Non, dans les mines actuelles, parce que tout ce que j'avais fait comme exclusion dans les mines actuelles, pour les contaminants actuels, autres que ceux radioactifs, mm-hmm. comme j'ai répondu au commissaire M. Zayed, habituellement, on fait une analyse du bruit de fond et on demande la modélisation de l'activité de la mine tenant compte du bruit de fond. Okay? Donc, c'est vraiment situation cas par cas. Tout ce que j'ai amené comme nuance, parce que je me suis aperçue après que dans les réflexions que nos groupes de travail mènent, concernant les limites au niveau radioactivité, là, il semble se dessiner une différence. C'est-à-dire ce qu'on m'amène, puis ce qu'a amené les gens de toxicologie et tout ça, ça n'a pas été une limite maximale tenant compte du bruit de fond, ça a été 40 microgigs de plus maximal au bruit de fond. Je voulais seulement amener cette nuance-là. Mais ceci dit, c'est en cours de réflexion. Dans les mines normales, nous tenons compte du bruit de fond, plus ce qui sera. Donc, dans les cas des mines d'uranium, ce ne sera pas une mine comme les autres, ça va être une mine. C'est-à-dire que pour l'identification d'une norme concernant spécifiquement ces éléments-là, il semble se dessiner une façon différente de faire. À quoi c'est dû, ça sera dans les documents de référence à l'époque là, où on l'apprendra ici. Mais on va dans la même orientation que fait le document de Conseil national, la norme là, plus 1 millisievert. On va dans le même sens là, au niveau de la présentation des informations. Alors, on a une question de Mme Cyr. Si vous avez de la misère à suivre, imaginez moi-même. Mais je voudrais juste, M. le Président, poser une question pour voir si j'ai bien compris. De façon générale, quand on parle de bruit de fond, il y a des sources naturelles et des sources anthropiques. Donc, ce que je comprends, hypothétiquement, je pourrais avoir un bruit de fond moins intense à Chibougamau et plus élevé à Québec ou Montréal. Oui. Ce que je comprends également, c'est lorsqu'on vient pour étudier l'impact de la minière, on a la référence, le baseline, la référence du lieu où se fait la mine, puis on compare l'impact de l'activité minière qui va générer en plus de la du bruit de fond. Alors, ce que je comprends, c'est que je pourrais dire aux Montréalais, venez-vous-en à Chibougamau, vous n'aurez pas de bruit de fond, vous aurez une meilleure santé. Mais je comprends, là, je finis en boutade, je suis un peu fatigué, mais je comprends dans le fond l'idée générale de ce qu'on nous a présenté cet après-midi et ce soir. Et le questionnement de notre collègue M. Zaheb, c'est vraiment de regarder quelle serait la norme de référence qui pourrait être admissible pour dire à partir de quand c'est acceptable ou à partir de quand ça n'est plus acceptable. Est-ce que j'ai bien suivi? Oui, merci. Bon, ben alors, finalement, ça finit par être clair. Je trouve ça encourageant. Bon, alors, on va terminer là-dessus. Les questionnements sont terminés. Sylvie, non? Ça va? Et Mélissa, ça va? Alors, donc, 15 minutes de pause et on revient avec la prochaine conférence de M. Neal. De l'Association minière. Oui, de l'Association minière du Québec. Madame.
Mesdames et messieurs, si vous voulez reprendre vos places, nous allons repartir. Alors, nous accueillons maintenant Mme José Méthotte, la directrice de l'Association minière du Québec, qui va vous présenter le conférencier qu'ils nous ont trouvé, parce qu'on voulait avoir un portrait des pratiques de l'industrie. Et on s'est dit que rien ne vaut quelqu'un qui vient de ce milieu-là et qui le connaît bien. Alors, Mme Méthotte, à vous la parole. Alors, bonsoir. Je suis donc José Méthotte, présidente directrice générale de l'Association minière du Québec. Et justement, au nom de l'Association minière du Québec, j'aimerais remercier les membres de la commission pour l'invitation qui nous a été lancée pour nous permettre de faire cette présentation ce soir sur les mesures de réduction de l'exposition et du risque dans les mines d'uranium. Je suis accompagnée de M. Lucien Nel, qui est directeur santé et sécurité, environnement et gestion des risques chez March Consulting à Saskatoon, en Saskatchewan, depuis 2009. Monsieur Nel possède plus de 20 ans d'expérience en matière de santé et sécurité de gestion environnementale, incluant notamment une expertise en protection contre la radiation. Il a notamment comme mandat de développer et gérer des programmes en santé et sécurité et a pour ce faire travaillé sur de nombreux projets industriels, entre autres dans le secteur uranifère. Notons qu'il a aussi occupé de 2002 à 2007 le poste de surintendant en santé et sécurité, qualité de l'environnement et gestion des risques pour Cameco pour le projet Cigar Lake en Saskatchewan. Alors, vous comprendrez que dans le temps qui nous a été alloué pour cette présentation-là de 30 minutes, j'aurai l'occasion de présenter l'Association minière dans ma prochaine présentation qui aura eu lieu jeudi. Je préfère donc lui donner tout le temps nécessaire pour bien exprimer son propos. Je pourrais peut-être souligner que l'Association minière du Québec existe, a été fondée en 1936 et nos membres sont les exploitants miniers, des installations de traitement et d'affinage, des entrepreneurs miniers, des explorateurs, des institutions et des organismes sans but lucratif, évidemment, du secteur minier au Québec, des fournisseurs de biens et de services. Et actuellement, nous avons un membre qui est actif dans la filière uranifère. On parle de la compagnie Strateco. Alors, d'autres membres, évidemment explorateurs, ont mis leur projet sur la glace, vous le savez, en raison de l'incertitude. Alors, je crois que maintenant on peut passer la parole à M. Nel. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole, qui, soit dit en passant, s'exprimera évidemment en anglais. On a voulu aller chercher quelqu'un qui avait vécu les mines d'uranium, qui vivait les mines d'uranium, pour bien vous faire une présentation qui est vécue. Alors voilà, M. Nel, maintenant va pouvoir vous faire sa présentation. Mr. Nel, you're welcome. Bienvenue, M. Nel. Allez-y. Monsieur le Président, membres de la Commission, mesdames et messieurs, dans le monde où les gaz à effet de serre et le changement climatique n'arrêtent pas de s'aggraver, il y a des sources d'énergie qui ont gagné une certaine faveur pour permettre une croissance de la production économique dans le monde entier. Bon, l'uranium, nous avons plusieurs sources de production et face au prix mondial, le développement des ressources et l'exploration devient plus viable dans certains pays. Le but de ma présentation consiste à vous présenter un aperçu des pratiques de protection contre les radiations dans les mines d'uranium du nord du Canada. Cet aperçu est basé sur une expérience personnelle dans les mines d'uranium du nord de la Saskatchewan. Je vais vous parler du rendement de la protection contre les radiations, entre autres, mais veuillez noter que
la physique et les effets sur la santé causés par la radiation, le transport, le déclassement d'une mine et tous les problèmes environnementaux liés à l'industrie seront présentés par d'autres personnes et ne cadrent pas dans ma présentation. Donc, dans ma présentation, j'aimerais vous parler du but des programmes de protection. Il s'agit de sécurité dans les mines d'uranium comme introduction. Ensuite, on parlera de la protection contre les rayonnements proprement dites. Ensuite, du rendement de la protection à Saskatchewan. Et ensuite, je passerai à ma conclusion. Donc, commençons par la sécurité conventionnelle dans les mines d'uranium de la Saskatchewan. Les problèmes et les pratiques de sécurité conventionnelle dans les mines d'uranium sont semblables à celles que l'on peut connaître dans d'autres installations minières et dans d'autres usines. La sûreté conventionnelle a trait à la protection des travailleurs et du public contre des risques dus à la construction, au fonctionnement, au déclassement et aux activités de réhabilitation dans le secteur minier. Dans les mines d'uranium du Canada, la documentation stricte qui est requise pour mettre sur pied un programme de protection efficace a trait également au programme de sûreté pour les mines conventionnelles. Et par conséquent, ces programmes bénéficient d'une culture de sûreté très réglementée. Les systèmes de gestion sont soumis à un examen très strict dans le cadre du processus d'octroi des permis nucléaires pour les mines et les usines nucléaires. Les mines et les usines ont adopté des normes internationales pour la sécurité et la santé au travail. Des événements, même s'ils sont mineurs, sont pris en compte dans un système de rapport des incidents. L'efficacité des programmes de sûreté conventionnelle est attestée par la tendance générale à la baisse dans le nombre d'accidents entraînant un arrêt de travail qui ont été signalés. Les mines et les usines d'uranium comptent parmi celles qui obtiennent le meilleur résultat pour la prévention d'accidents dans tout le secteur minier et industriel de Saskatchewan, la seule province au Canada où il y a des mines et des usines d'uranium actuellement. Il y a toutes sortes de risques. Il y a des risques physiques, économiques, psychosociaux et des risques de tous ordres. Bon, si vous regardez cette diapo, vous pouvez voir qu'il y a une tendance à la baisse dans la fréquence des accidents entraînant un arrêt de travail dans les mines. La ligne bleue représentée ici représente la fréquence de ces accidents entraînant un arrêt de travail et vous voyez le nombre d'heures travaillées. Donc, il y a définitivement une tendance à la baisse. Passons maintenant à la protection contre le rayonnement. Le but d'un programme de protection contre le rayonnement pour les mines consiste à veiller à ce que l'exposition au rayonnement soit gérée dans des proportions qui ne permettent aucun effet néfaste sur la santé ni aucun effet environnemental négatif important. L'objectif consiste à minimiser les expositions personnelles et environnementales aux radiations à des niveaux qui soient le plus bas que l'on puisse raisonnablement attendre si l'on tient compte des facteurs économiques et sociaux. Les limites réglementaires du rayonnement sont fixées conformément aux normes internationales par la CCSN. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, mais je me répète. Ces limites pour les travailleurs dans le domaine de l'énergie nucléaire, c'est 100 millisieverts en 5 ans, ce qui se traduit par 20 millisieverts par année en moyenne. Le maximum de 50 millisieverts dans n'importe quelle année pour n'importe quelle personne. En outre, il y a des limites pour le public d'un millisievert par an. Les limites réglementaires sont fixées bien en deçà des niveaux qui pourraient entraîner des effets notables sur la santé ou des impacts environnementaux négatifs permanents.
Normalement, la radiation n'est pas néfaste, sauf dans des cas de surexposition. La surexposition est définie dans les règlements comme une dose reçue au-delà de la limite réglementaire. Les programmes de protection contre le rayonnement traitent normalement des aspects suivants. Les problèmes de sûreté contre le rayonnement dans la conception et le fonctionnement de la mine, la mise en œuvre de méthodes de travail globales et de contrôle administratif, l'élaboration, la rédaction d'un code de pratique en matière de rayonnement propre à l'usine ou à la mine, l'utilisation d'équipements de protection individuelle, un bon suivi des rapports et l'enregistrement des expositions radiologiques, des doses et des conditions, et ensuite des mesures de correction si les taux d'exposition et de rayonnement dépassent les niveaux opérationnels normaux. Exposition et contrôle des doses et contrôle de l'exposition. Sur cette diapo, je répète les limites réglementaires. Alors, pour bien comprendre, pour les travailleurs, c'est 20 millisieverts pendant une certaine période avec un maximum de pas plus de 50 millisieverts dans n'importe quelle année. Pour le public, la dose maximale est fixée à 1 millisievert par an. Outre ces limites réglementaires, il y a aussi des choses qu'on appelle des niveaux d'action et des niveaux administratifs. Donc, simplement, mettons les choses en perspective. Ici, nous avons les niveaux de radiation où on voit des effets sur la santé. Bon, donc à ce moment-là, il faudrait que le niveau soit plus bas, y compris le facteur de sûreté. Ensuite, on a les niveaux industriels et d'autres encore. Donc, je vais vous les expliquer un peu plus tard. Des contrôles existent pour toutes les situations où les travailleurs de l'énergie nucléaire sont censés recevoir du rayonnement. Idéalement, les limites réglementaires ne sont jamais dépassées. Les objectifs de rayonnement sont fixés bien en deçà des limites réglementaires pour assurer la sécurité des travailleurs et du public. Il y a de nouvelles tâches qu'il faut évaluer pour mesurer le risque de rayonnement avant que le travail commence. Il y a des mesures qui sont prises et mises en œuvre pour réduire le risque chaque fois que possible. Quand il y a de petites tâches à accomplir, on discute des risques à des réunions périodiques et on reçoit des instructions appropriées. Alors que pour les grands projets, il faut quelquefois faire une analyse des dangers officiels. Et il faut informer tous les travailleurs et les parties prenantes. Toute exposition est retracée et les objectifs d'exposition annuelle sont établis. L'exposition historique comporte des résultats qui sont comparés aux résultats de l'analyse à l'ARA quand on établit les objectifs annuels. Si c'est raisonnable et pratique à la fois, les méthodes qui consistent à réduire des expositions sont définies et elles se reflètent dans cette cible établie. Si les tâches planifiées peuvent aboutir à une exposition supplémentaire, les cibles seront ajustées. Et il y a un contrôle très strict qui consiste notamment dans des permis de travail contrôlés. Il y a plusieurs méthodes auxquelles on recourt pour contrôler l'exposition au rayonnement. Et il s'agit par exemple de permis de travail concernant le rayonnement, une ventilation souterraine, le contrôle de la poussière, l'équipement de mesure du rayonnement, le code de pratique en matière de rayonnement et un examen quotidien des résultats mesurés, un équipement de protection individuelle pour la protection contre le rayonnement et une formation appropriée des travailleurs et de leurs superviseurs. Les formes de radiation qui sont contrôlées comprennent des radiations internes et externes. Le rayonnement interne est ça veut dire qu'on peut la respirer ou l'ingérer.
Et à ce moment-là, on parle de filiation, de radon, par exemple, ou des problèmes avec la poussière. Il s'agit d'effets alpha ou gamma. Et ensuite, un rayonnement externe, c'est-à-dire gamma. Bon, un bon système de ventilation souterraine, y compris des systèmes d'extraction localisés qui contrôlent la poussière et d'autres contaminants atmosphériques, radiologiques ou non, est établi. La conception et le fonctionnement du système permet d'avoir un apport d'air de bonne qualité et cela minimise la dose et l'exposition au rayonnement. La ventilation des installations à la surface de la Terre maintient un apport en air frais et il y a également un système pour lutter contre la filiation du radon dans l'évacuation. Donc, tout est conçu pour permettre une ventilation efficace. Les systèmes d'expulsion de l'air et de ventilation dans les usines et dans la zone souterraine. La vérification du rendement de la ventilation est menée de manière périodique et le service de la gestion du rayonnement en est informé. Donc, on fixe des niveaux d'action de la filiation du radon pour veiller à ce que l'exposition des employés soit bien en deçà des niveaux réglementés au niveau international. On prend des mesures correctrices au besoin. Il y a des concentrations auxquelles un employé devrait être exposé pendant toute une année de travail, soit 2000 heures environ, avant d'atteindre la limite de dose de filiation du radon annuel. Cette méthode est très prudente et permet à quelqu'un de pouvoir contribuer à la dose efficace de rayonnement gamma et du LLRD, outre la filiation du radon. Donc, il y a d'autres codes de pratique qui sont établis pour le gamma. Une fois que c'est éliminé du lieu de travail, le rayonnement ambiant peut être frotté ou filtré selon le besoin et rejeté dans l'environnement. Les rejets environnementaux atmosphériques sont surveillés pour veiller à ce que la concentration dans l'environnement soit bien gérée. Passons maintenant au gamma. La stratégie de contrôle est différente parce que le gamma, ça n'est pas une particule atmosphérique ambiante. En fait, c'est une vague électromagnétique. Il y a trois façons standards de se protéger contre le gamma. Le temps, la distance et le blindage. Le temps, parce que la dose est égale au taux de la dose multiplié par le temps passé dans cette zone. En réduisant le temps, vous réussissez à réduire la dose générale. La distance. La loi du carré inversé s'applique aux sources ponctuelles. Bon, on prend l'analogie d'un feu de camp. Quand vous êtes près d'un feu de camp, la chaleur que vous sentez est intense. Bon, ça, c'est la même chose que la radiation gamma. Plus vous vous éloignez, plus la chaleur diminue. Par exemple, si vous bougez de cette distance, selon la courbe du carré, ça diminue de 4. Si vous le faites par 3, eh bien, c'est réduit de 8, etc. Le blindage, maintenant. L'efficacité du blindage est à peu près proportionnelle à la densité du blindage. Le béton est souvent préféré comme matériau de blindage pour les usines et tous les grands entrepôts. De toute évidence, le plomb est un matériau à très forte densité. Il est parfois utilisé également. J'aimerais vous parler un peu du contrôle de la contamination. Je comprends très clairement que le terme « contamination » peut faire peur. Toutefois, dans le domaine minier, il y a un risque de contamination qui répande de la radioactivité au-delà du site et par conséquent, il faut procéder à une gestion diligente.
le contrôle de la contamination radioactive qui se répand est un élément clé de la protection contre le rayonnement. Donc, les mesures pour contrôler l'épandage de la contamination peuvent avoir trait au système de ventilation ou alors, quelquefois, on peut séparer les travailleurs de la source ou dans les installations de lavage. Par exemple, on peut aussi porter des vêtements de protection. Par exemple, on peut enlever le vêtement supérieur et laver ses bottes avant d'aller dans le vestiaire où on va mettre et prendre une douche avant de reporter ses vêtements normaux. Il peut aussi y avoir des zones contrôlées dans les usines de transformation. Vous savez, c'est très important de veiller à ça. Quelquefois, on peut avoir des douches personnelles qui séparent les deux endroits. Ensuite, on peut avoir des zones de décontamination de l'équipement avant que le personnel ne se change. Ce qui est intéressant et important, ce sont les eaux de lavage dans ces installations. Elle est recueillie et traitée avant d'être rejetée dans l'environnement, y compris l'eau des douches. Un bon drainage et de bons systèmes de collecte de l'eau pour faciliter un lavage régulier de ces zones pour éviter que la contamination s'accumule dans ces zones. Et ensuite, on a la surveillance du rayonnement périodique. Ensuite, j'aimerais vous parler, j'en ai déjà parlé brièvement, ce sont les codes de pratique en matière de rayonnement, de protection contre les rayonnements. En fait, ça doit donner lieu à un système à deux niveaux, des contrôles basés sur les risques pour réduire l'exposition potentielle avant que la limite maximale réglementée soit dépassée. Le principe de l'ALARA est suivi dans tous les cas et ce n'est que dans des circonstances extrêmes que les personnes compétentes à la manière peuvent se permettre de dépasser des niveaux administratifs. En fait, il y a des codes de pratique qui sont développés pour la filiation du radon, le gamma, le LLRD et le gaz du radon. Des codes de pratique peuvent également être rédigés à des fins de protection de l'environnement, y compris pour la qualité de l'eau et les rejets dans l'atmosphère. Les niveaux administratifs dans le code de pratique en matière de rayonnement, de protection contre le rayonnement sont considérés comme des niveaux raisonnables, au-delà desquels des contrôles plus stricts devraient être mis en œuvre. Ceci permet encore passer plus de temps dans des zones où la dose est plus élevée, si c'est nécessaire pour finir le travail, sans s'approcher de toute limite de dose. Donc, c'est fixé à un niveau si bas, donc ça ne permet pas des concentrations plus élevées. Le niveau d'intervention est fixé pour veiller à ce que l'exposition des employés demeure bien au-delà des niveaux réglementés. Des mesures de correction sont adoptées à faible concentration. Cette concentration peut être à un niveau auquel un employé devrait être exposé pendant toute une année de travail pour atteindre la limite de la dose annuelle. Si une dose qui dépasse la limite de la dose hebdomadaire ou trimestrielle se produit ou si on la soupçonne, eh bien, on prend les mesures nécessaires à moins que la dose ait été prévue et qu'il y ait eu un permis concernant le rayonnement. Quand on sait ou quand on croit qu'il est probable qu'un niveau d'action a été atteint, des avis internes et au sein de l'agence seront envoyés immédiatement. Par exemple, on avise la CCSN et notre direction immédiatement. On va faire une enquête, on va prendre des mesures de correction avec le comité de santé et sécurité au travail. Les codes de pratique pourraient être rédigés et adoptés pour la filiation radon, pour la poussière radiologique à période longue et pour le gaz du radon. Vous m'avez entendu mentionner le terme ALARA. À quoi ça ressemble l'ALARA dans la réalité? Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre l'ALARA? La première chose que nous faisons, c'est que on se fie à l'expérience de l'activité. Et
On est toujours en mode d'apprentissage. On peut toujours tirer des leçons du passé. On ne veut pas répéter les situations que nous avons observées au cours des 50 ou 60 dernières années. La formation de tous les travailleurs dans le domaine de l'énergie nucléaire et une formation supplémentaire pour les superviseurs s'impose. Le contrôle de la gestion sous forme de permis de travail quand il y a du rayonnement. Il faut changer les méthodes de contrôle et bien planifier l'entretien. Tout ceci fait partie de la LARA. Il s'agit de séparer les travailleurs de les sources de rayonnement dans la conception des mines, si c'est pratique, et aussi dans les méthodes à forte teneur de minerais. À ce moment-là, il n'y a pas d'entrée possible. Aussi, il y a de l'équipement télécommandé pour réduire le contact humain avec le minerai. Ça n'est pas toujours approprié dans des mines à faible teneur. Et aussi, on entrepose des substances nucléaires à des fins d'analyse dans un laboratoire qui est verrouillé et qui est dans lequel il y a des panneaux d'affichage, des avertissements. Aussi, il y a le blindage inhérent à la construction des contenants, des tuyaux, de l'équipement et de l'installation qui contiennent du minerai. Donc, on choisit en conséquence l'épaisseur des murs et toute la conception du bâtiment et de l'installation. Si nécessaire, il y a un blindage supplémentaire. Par exemple, il y a du béton giclé, de l'acier ou du béton que l'on peut ajouter pour réduire encore plus les champs gamma en milieu de travail. La LARA consiste surtout à réduire l'exposition. L'un des buts premier de la LARA, c'est de réduire l'exposition, comme je viens de le dire. Donc, comment ça marche? Bon, on examine les expositions et les doses avec les superviseurs et les travailleurs. Donc, tout le monde fait partie de ce programme de protection. Ils ont un sentiment d'appartenance, ils prennent les choses en main. Bon, quand on fixe les objectifs de réduction de l'exposition, on fait une analyse de la LARA et à ce moment-là, on peut fixer les objectifs en modifiant les pratiques de travail, le temps passé dans ces zones et dans la planification également. On surveille la performance par rapport à ces objectifs au niveau de la direction et des comités appropriés. Si nécessaire, on prend des mesures pour réduire les expositions. La LARA comporte un autre volet, c'est l'analyse des risques de danger du rayonnement. La gestion des risques consiste à repérer des risques, à évaluer les impacts possibles de ces risques et d'élaborer des stratégies pour contrôler ces impacts. En général, bien comprendre la notion de risque exige que l'on comprenne bien le terme « danger ». Le danger, c'est la capacité d'une chose, d'une circonstance ou de l'environnement de causer des effets néfastes. Dans ce cas, c'est le rayonnement. Le risque, c'est la probabilité qu'il va y avoir des effets néfastes à cause de l'exposition à un certain danger. Par conséquent, il s'ensuit que le contrôle ou l'élimination du danger réduit le risque. Repérer et contrôler les risques, c'est la première étape dans la gestion du risque. D'autres mesures secondaires dans la gestion des risques comprennent l'atténuation de l'impact une fois qu'il y a un effet néfaste qui s'est déjà produit. Les risques du rayonnement liés à l'exploitation de l'uranium au Canada sont relativement bas par rapport à d'autres événements routiniers quotidiens. Par exemple, si vous êtes en avion, si vous vivez à une haute altitude, votre dose de rayonnement de base augmentera naturellement. Donc, quand on peut prévoir et reconnaître à l'avance les risques pour la santé et la sécurité, on touche vraiment au pilier de tous ces programmes efficaces de santé et de sécurité. La surveillance, le suivi du rayonnement, soyons bien clairs. Mesurer le rayonnement, c'est facile. Il y a beaucoup d'instruments qui permettent de le faire. Et ça n'est pas difficile à faire. Ça peut devenir difficile à des niveaux très bas, mais si on comprend les limites de la détection et les techniques, ça n'est pas très difficile.
Il y a trois stratégies de suivi des rayonnements qui s'appliquent dans les mines d'uranium canadiennes. Il y a des mesures de contrôle de l'exposition qui sont relevées dans, là où, où on s'attend à ce qu'il y ait des gens qui se trouvent. Et aussi, il y a le suivi du, par des méthodes d'ingénieurs qui se fait pour accroître les connaissances du rayonnement lié au processus minier. Alors, le suivi du rayonnement comprend le gamma, le filiation radon et la poussée radioactive à période longue. Et toutes ces mesures s'appliquent dans les stratégies que j'ai déjà décrites. Bon, j'aimerais vous parler des dossiers des rapports. Tous les dossiers, toutes les données de suivi, sauf les dossiers de doses individuelles, sont affichés en milieu de travail et sont à la disposition des employés. Donc, les dossiers de doses individuelles sont signalés aux agences gouvernementales, aux superviseurs, à la direction et à chaque employé. Bon, par exemple, quand je parle d'organismes, je parle de la CCSN, de Santé Canada, des superviseurs, et de la direction et de chaque employé. Chacun reçoit un petit avis indiquant quelle a été son exposition à la filiation radon au gamma et à la poussière radioactive à période longue. Et dans certains cas, il peut y avoir aussi une exposition au gaz radon. Les superviseurs sont informés de ces expositions pour leurs travailleurs dans le cadre du principe ALARA. Donc, ils savent, là, il faut qu'ils interviennent pour réduire les expositions. Parlons maintenant de l'instrumentation que vous voyez sur la diapo. Elle sert à surveiller le rayonnement. Par exemple, tout à fait en haut à droite, c'est un plateau d'échantillonnage et qui va permettre de procéder à l'analyse de l'échantillon. En bas, à gauche, vous voyez un écran alpha continu qui est utilisé dans les mines ou en là où il peut y avoir du rayonnement. Les niveaux sont indiqués par des systèmes lumineux, vert, orange et rouge, comme les feux de circulation. Ça signifie quelque chose pour les travailleurs. Ils connaissent très bien la signification de ces trois couleurs. En bas à droite, vous voyez un dosimètre alpha personnel. Le travailleur l'a toujours avec lui quand il est dans les zones radioactives, dans la mine souterraine et à l'occasion dans certaines parties de l'usine. Bon, alors là, il y a un plateau d'échantillonnage. Il y a une cassette, c'est envoyé en laboratoire et là, ils peuvent déterminer quelle a été l'exposition pour cette personne. Il y a aussi des étiquettes qui sont portées par les techniciens. Vous savez, c'est la même chose que dans les cliniques de radiologie. Le suivi environnemental. Il comporte le suivi de l'air, de l'eau et du sol. Sur place et dans les environs. Les stations de surveillance sont installées sur le site et autour et aussi à des distances accrues, enfin de plus en plus grandes par rapport au site pour déterminer si l'activité cause une augmentation dans les zones environnantes. Le bruit de fond, les résultats sont envoyés aux organismes de réglementation et s'il y a une augmentation inattendue, c'est noté, on fait une enquête et on prend des mesures de correction. Un autre aspect important du programme de protection contre le rayonnement, c'est la formation. Bon, dès que le personnel arrive sur place, on l'initie à la sûreté. N'importe où. Et ça, c'est vraiment l'assise de l'établissement d'une culture durable en matière de sûreté. Dès qu'un quelqu'un arrive sur place, tous les nouveaux employés et les visiteurs sont censés participer à une session d'orientation qui porte sur la santé, la sûreté, la protection contre le rayonnement, la protection de l'environnement, une intervention en cas d'urgence et des normes générales de l'entreprise, ainsi que les attentes en matière de réglementation. Si tous les travailleurs reçoivent
des doses de rayonnement équivalentes plus élevées que la limite de dose établie par la Commission pour le public, eh bien, à ce moment-là, on dit qu'il faut que tout le monde suive une formation supplémentaire. Ce cours porte sur la théorie, les pratiques, les bonnes pratiques de protection et les politiques de protection contre les rayonnements et les mesures à prendre pour l'usine en particulier. Donc, les superviseurs reçoivent une formation pour bien comprendre la LARA et leur rôle dans tout cela, et cela leur permet de bien diriger les travailleurs. Un examen à la fin du cours vérifie si l'étudiant a bien compris le sujet. Et ensuite, il y a des cours de recyclage tous les 3 ans. En gros, c'est vraiment l'épine dorsale d'un programme de protection contre le rayonnement. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous parler de la performance de la protection contre le rayonnement grâce à l'application de ces programmes. Les statistiques recueillies par les organismes gouvernementaux montrent que les mines d'uranium de la Saskatchewan sont le milieu de travail le plus sûr dans la province. Même quelquefois, ça dépasse le travail dans les bureaux. Bon, vous voyez, en 2012, la dose effective totale moyenne des travailleurs était 3% de la limite permise moyenne annuelle, 20 millisieverts. Et l'exposition maximale enregistrée pour chaque employé en 2012 était d'environ 27,5% de la limite maximale annuelle, 50 millisieverts. J'ai un graphique ici qui montre l'exposition à la filiation du radon. Ça remonte aux années 40 et ça montre qu'il y a vraiment eu une amélioration dans la protection contre la radio, contre le rayonnement. En ce qui concerne la filiation du radon, là il y avait 440 niveaux opérationnels par mois. Ça, c'était par rapport à la moyenne pour l'Amérique du Nord. Bon, comme vous le voyez, tout à fait à droite du graphique, dans les années 2000, ça baissait à 0,4 mois de travail. Donc, c'est spectaculaire comme réduction. Dans l'industrie de l'uranium au Saskatchewan, on démontre sans arrêt que les normes fixées par le CCSN pour l'exposition au rayonnement sont respectées. Les statistiques recueillies par les organismes gouvernementaux montrent que les mines de l'uranium de la Saskatchewan sont le milieu le plus sûr, même à une et quelquefois même ça dépasse le niveau en milieu administratif, dans des bureaux. Monsieur le Président, membres du groupe d'experts, en conclusion, j'aimerais vous dire que on peut réussir à exploiter des mines d'uranium à condition qu'il y ait une bonne gestion de la santé et de la sécurité au travail et des bons systèmes de gestion. Les mines actuelles canadiennes offrent une expérience utile et sont un modèle pour des programmes de gestion du rayonnement. Et ça n'est pas seulement, ceci est reconnu pas seulement au Canada, mais à l'échelle internationale. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé, Monsieur le Président, membres du groupe d'experts, Mesdames et Messieurs. Merci, Monsieur Nel. Je vais offrir l'occasion à mes collègues de commencer les questions. Joseph, vous voulez? Oui. Dans une de vos premières planches, vous avez montré un graphique qui indique clairement une diminution des journées d'absence. Si j'ai bien saisi, là, parce que j'ai dû me lever, c'était pas assez clair, mais ces journées d'absence sont dues à des accidents ou intègrent accidents et maladies? Pour le procès verbal, essentiellement, ces graphiques démontrent le taux d'incidents d'accident. Cela signifie que ce sont des accidents professionnels ou des incidents par 200 000 heures d'exposition en milieu de travail.
et ils sont reliés seulement à la sûreté traditionnelle. Il n'y a eu aucune absence pour maladie grave. Dans ce cas-ci, on ne le voit pas. Certainement, il y a eu des absences dues à la maladie. Ce qui était la cause de la maladie n'est pas montré ici, on n'en tient pas compte, mais ça peut inclure tout, passant d'un simple rhume jusqu'à une blessure que quelqu'un aurait subie à la maison pour une raison non professionnelle à ma connaissance, et je ne suis pas au courant qu'il y ait eu maladie due à exposition au rayonnement. Lorsque les travailleurs sont embauchés, je présume qu'ils doivent passer un test médical. Lorsque les travailleurs sont embauchés, on exige qu'ils subissent un examen médical. Et c'est répété de façon routinière, et je crois que l'intervalle, c'est aux 2 ans. Les travailleurs du secteur nucléaire doivent passer un examen médical selon la loi. Ce suivi de la santé des travailleurs des miniers, est-ce qu'il est sous la responsabilité de la minière? La compagnie minière est responsable pour s'assurer que les travailleurs donc atteignent ou vont à un centre médical pour obtenir cet examen. L'information provenant de cet examen médical et l'évaluation n'est pas transmise directement à la minière. Les minières ont des professionnels de santé sur le site et l'information leur est passée. Ce qu'obtient la compagnie minière, c'est une note provenant du professionnel de la santé indiquant que la personne est apte au travail. Il ou elle est apte à être un travailleur du secteur nucléaire. Aucun détail n'est fourni à la minière. Néanmoins, il incombe à la minière pour s'assurer que les travailleurs passent un examen médical avant de commencer le travail. Si un travailleur développe le cancer, et que ce n'est pas la minière qui assure le suivi des travailleurs, de la santé des travailleurs, est-ce que cette information devient de nature confidentielle dans la mesure où le travailleur aura été diagnostiqué par un médecin qui ne relève pas de la mine, qui n'est pas rattaché à la mine? Les minières garde des dossiers des résultats médicaux. Si un cancer est diagnostiqué, c'est fait par un professionnel de la santé et c'est gardé dans les dossiers et des confidentiels. Il incombe au médecin d'approcher la mine ou d'aller voir le médecin sur place à la mine pour trouver des informations sur le cas. Le médecin également doit en faire au cas à l'équivalent de la CSST, la Workers' Compensation Board, qui va faire une enquête. Donc, ce n'est plus dans la main de l'entreprise. La minière doit répondre aux besoins, aux demandes de la part de la CSST et doit lui fournir des informations demandées. Tout est fait dans le contexte de la confidentialité médicale. La CSST en Saskatchewan a indemnisé combien de travailleurs, de miniers pour des problèmes de développement de cancer? À ma connaissance, pour ce qui est des problèmes reliés au cancer, il n'y a aucune indication qu'il y a eu des cancers qui sont directement dus à la rayonnement pour lesquels on a payé une compensation. Il pourrait y avoir d'autres indemnisations pour des cancers, mais à ma connaissance, il n'y a aucun qui est lié directement dans l'esprit, dans les mines ouvertes qui sont reliées au rayonnement. Évidemment, on a beaucoup de preuves pour ce qui est des mines des années 40 où il y a eu cancer du poumon qui est directement relié à l'exposition. Mais aujourd'hui, je n'en suis pas au courant. Comment peut-il y avoir des indemnisations si ce n'est pas relié au travail?
Il y a d'autres causes de cancer à part le rayonnement au travail. Les gens qui travaillent avec des produits chimiques, les gens qui sont peut-être exposés aux isocyanides, d'autres produits, des arseniques qui sont des cancérigènes connus. La moyenne... Excusez-moi. Just a small sub-question. Une petite sous-question. Est-ce que la répartition des cancers, les sortes de cancers, ressemble à ce qu'on trouve dans la population normale en termes de fréquence, ou si dans cette industrie, on trouve des concentrations de types de cancers particuliers? Nous avons certainement observé certains types de cancers, surtout les cancers du poumon, provenant de l'exposition dans les années 40 et 50 au début des mines uranifères. Jusqu'ici, nous n'avons rien observé des mines modernes. Et lorsqu'on regarde les doses que je vous ai présentées, les doses sont très faibles. Nous ne nous attendons pas à observer une augmentation importante au niveau du cancer selon les mines par rapport à ce qu'on observe dans la population normale. Vous avez précisé que la moyenne de l'exposition des travailleurs est d'environ 20 millisieverts par année. Quelles sont les valeurs maximales et minimales? Juste pour préciser, je dois corriger ce que vous venez de dire. Je n'ai pas dit que le taux d'exposition est à 20 millisieverts par année. Je dis l'exposition. Les limites pour l'exposition maximale sont établies à 100 millisieverts sur 5 ans, qui se traduit à une limite maximale de 20 millisieverts par année. Si j'ai bien compris, je ne suis pas au courant d'une personne qui a travaillé dans les mines modernes qui a dépassé cette limite. La OK, ça, c'est, je n'avais pas bien compris cette nuance. Alors, je vous pose la question, c'est quoi les valeurs moyennes d'exposition dans les mines en Saskatchewan? Dans les mines au Saskatchewan, comme je l'ai indiqué dans ma dernière acétate, je pourrais vous la montrer. Les taux d'exposition sont environ 3 % des 20 millisieverts, donc cette limite. Donc, qu'est-ce qui est 3 % de 20? C'est le taux d'exposition moyenne, le maximum. Donc, le maximum reçu était 27,5 %, environ un quart des 50 millisieverts, cet maximum d'exposition pour un travailleur pour une année. C'est environ 10. Ça, c'est la valeur maximale, n'est-ce pas? Okay. Yes. Et quelle est la durée moyenne de travail dans les mines en Saskatchewan, dans les mines d'uranium en Saskatchewan? Combien d'années? Combien d'années? On average, en moyenne, un travailleur est défini comme 2000 heures. Et c'est fonction des heures passées dans la mine, les journées, donc moins les jours de congé et les fins de semaine qui ne sont pas passées dans la mine. Donc 2000 heures, c'est la norme. 2000 heures par année? Yes, that is correct. Combien d'années? How many years? Well, that varies by individual. Ça dépend de la personne. Donc, un travail de vie, c'est 40 ans. Une personne va peut-être travailler pendant 2 ans et décider qu'il en a assez. Il quitte. Une personne qui a 58 ans peut-être se fera embaucher à 60 ans. C'est une question très difficile. Mais en moyenne, ce chiffre à quoi? Je n'ai pas cette information. Je présume que les minières assurent un certain suivi de la santé des travailleurs. Oui, il y a eu plusieurs études épidémiologiques sur les travailleurs d'il y a un certain moment jusqu'à aujourd'hui. Et je crois qu'il y a une étude qui est en cours actuellement
effectué, dirigé par, j'oublie son nom, mais son nom a été mentionné, un docteur de l'honneur. Le docteur Irving est impliqué dans cette étude. C'est pour déterminer les paramètres épidémiologiques pour les miniers dans le secteur granifère qui travaillent dans les mines modernes. Ça va pour les études, mais est-ce qu'il y a un suivi de l'état de santé des travailleurs? J'imagine que l'étude épidémiologique fait appel à ces données du suivi des travailleurs. Au fond, ce que je voulais savoir, c'est s'il y a un suivi des travailleurs sur une base régulière. Est-ce que ce suivi-là vous permet aux minières d'utiliser des indicateurs précoces d'effet pour éviter, à moins que ce soit uniquement les valeurs relatives au niveau d'exposition? Le suivi sur l'état de santé, à ma connaissance, normalement se fait par la communauté médicale. Et s'il y a un soupçon que c'est dû à une cause professionnelle, ça passe à l'équivalent de la CSST. Les minières, donc passent leur contrôle sur les taux d'exposition et les niveaux de contrôle. À ma connaissance, il n'y a pas de suivi officiel à part l'emploi dans les mines. Peut-être je me trompe. Directeur de la, vous êtes vous-même directeur de la santé, de la sécurité du travail et de l'environnement. Enfin, je n'ai pas saisi tout le titre, mais ça inclut votre responsabilité de la santé et sécurité du travail. Alors, est-ce que sous votre direction, il y a une unité de santé qui assure que les travailleurs, qui font le suivi de la santé des travailleurs pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé et que tout aille bien? Non, ce n'est pas financé ou suivi par l'entreprise. Je voudrais fermer le registre compte tenu de l'heure. Alors, est-ce que vous m'avez entendu à l'arrière? Oui? Merci. On continue. Monsieur Fafard, ne perdez pas patience, j'achève. If I may follow up on... J'aimerais faire écho à cette question, si vous me le permettez. Pour les employés, nous avons les examens médicaux de suivi, de routine. Et après leur emploi, à ma connaissance, il n'y a pas de suivi sauf par le biais des agences gouvernementales et la CSST. Il relève de la responsabilité de la minière. Est-ce que vous choisissez soit des pathologies précises pour vous assurer qu'elles sont absentes, soit que vous utilisiez des indicateurs biologiques d'effets précoces? Ou ceci est complètement hors de votre mandat? Non, c'est complètement au-delà de mon mandat. Et c'est administré par les études épidémiologiques du gouvernement et par le responsable du gouvernement. Que les doses sont généralement respectées, à moins qu'un... J'ai sûrement mal compris. À moins qu'un permis puisse être obtenu. Est-ce que j'avais bien compris? Ce que j'ai dit, c'est que les doses sont absolument respectées. S'il y avait possibilité pour qu'une personne ait exposition à une dose qui dépasse le niveau d'exposition normal, un permis de travail de rayonnement est émis. Ce que c'est, ce permis de rayonnement, c'est une directive donnée aux travailleurs leur expliquant en quoi consiste leur dose et quelles sont les pratiques mises en place au travail, qu'est-ce que cela exige, quels sont les équipements de protection individuelle et quel suivi se fera sur le travailleur pour s'assurer que cette exposition potentiellement élevée sera réduite. C'est possiblement très faible, mais est prudemment suivi. Et finalement, à partir de ce moment-là, le plan peut être modifié pour réduire l'exposition ou pour indiquer qu'il n'y avait pas d'exposition. S'il y avait exposition plus élevée, on en tient compte dans la dose totale et le plan de travail est donc ajusté en fonction de cet état de fait.
Vous avez indiqué que la dose maximale est de 50 millisieverts par année pour un an et de 100 millisieverts pour 5 ans. Est-ce qu'il peut arriver des situations... la question est double. Est-ce qu'on peut voir des variations quotidiennes qui présentent à l'occasion des pics d'exposition qui, extrapolés sur une base annuelle, pourraient donner, mettons, 100 millisieverts ou 150 millisieverts, mais que sur une moyenne annuelle, la dose d'exposition devient 20 millisieverts ou 15 millisieverts? Est-ce que finalement, ça c'est la première partie, est-ce que vous pouvez voir s'il y a des pics d'exposition? Et la deuxième chose, le deuxième volet, si théoriquement, si un travailleur, un minier, est exposé à des valeurs de 40 millisieverts par année, je sais que ce n'est pas le cas dans ce que vous nous avez présenté, est exposé à 40 millisieverts par année, qu'est-ce qui arrive au bout de 2 ans et demi quand il aura atteint 100 millisieverts par année? Est-ce qu'il est exclu ou est-ce que vous allez le relocaliser pour vous assurer que l'exposition ne dépasse pas 100 millisieverts pour 5 ans? Si vous voulez bien, je répondrai à votre première question. Il y a des instruments qui sont utilisés qui nous permettent de déterminer de façon quotidienne quelle est la dose d'une personne. Surtout lorsque les travailleurs travaillent dans des zones où il y a possiblement un niveau de rayonnement élevé. Ceci étant dit, il y a également un suivi trimestériel qui se fait en utilisant ces étiquettes ED. On fait également un suivi en utilisant les dosimètres alpha. Donc, la fréquence du suivi est telle que nous pouvons déterminer si un individu connaît une exposition trop élevée dans une brève période de temps. Nous n'avons pas besoin d'attendre jusqu'à la fin de l'année parce que le problème, c'est qu'une fois qu'une personne est surexposée, il y a surexposition, on n'y peut rien. Donc, on doit mesurer l'exposition progressivement alors que la personne passe à travers l'année pour qu'on puisse contrôler le taux d'exposition, on puisse la gérer avant que la personne atteigne un niveau administratif, comme je l'ai indiqué, ce qui est un niveau très faible, ou si jamais, mon Dieu, ils atteignent le niveau d'intervention, parce que c'est à ce moment-là que la CSSN entre dans le portrait et commence à exiger des réponses et des questions, et il est parfois difficile de les respecter. Donc, nous utilisons ces concepts de niveau administratif qui sont établis à des niveaux très faibles dans le but de faire le suivi sur une courte période de temps et pour mesurer le niveau d'exposition pour que nous puissions prévoir. C'est une activité continue. Nous allons voir où ils en sont à la fin de l'année. Donc, votre scénario de 40 millisieverts dans une année est quelque chose que l'on pourrait prévoir très tôt et on pourrait prendre des mesures correctrices dans le but de réallouer le travail, modifier le travail qui s'effectue ou bien déplacer le travail vers une zone moins radioactive. On peut initier mesures. D'ailleurs, on les initie de façon régulière. Madame Cyr. Juste une petite question. Est-ce que sur une base annuelle, il peut arriver que le travailleur, à ce moment-là, si vous réalisez qu'il y a vraiment une dose, ce que je comprends, c'est qu'il est retiré du lieu de travail où il y avait une augmentation trop importante de la dose de radiation. C'est ce qu'on doit comprendre. Avec vos suivis quotidiens, ce que je comprends, c'est qu'aussitôt qu'il y a une limite qui peut être atteinte, le travailleur est sorti de sa zone de travail ou même de la mine. Puis la question, est-ce que c'est arrivé souvent? Avez-vous des données sur le nombre de fois que c'est arrivé concrètement dans les 10 dernières années, par exemple? Oui. Dans mon expérience, ce que nous faisons, c'est que nous ne modifions pas le comportement du travailleur et les comportements si le travailleur respecte les procédures. Ce que nous faisons, c'est que nous changeons le travail, la façon dont on planifie le travail, comment s'effectue le travail en utilisant toutes les mesures de radioprotection. Donc, en théorie, est-ce que ça peut arriver? Oui. C'est pour cette raison que nous avons ces niveaux de déclenchement d'intervention et les niveaux d'intervention. Donc, administratif pour les prévenir. Donc, contrôle précoce prévient une panique plus tard. C'est ça l'idée. Il s'agit de gérer de façon judicieuse l'exposition avant qu'on se trouve dans une situation où il pourrait y avoir des blessures.
dans les 10 dernières années, avez-vous des données statistiques sur le nombre de fois que c'est arrivé que vous avez dû retirer des travailleurs du lieu de la mine pour des raisons de over-radiation ou de possibilité d'atteindre la limite? Selon ma connaissance, le seul moment où on a dû enlever un travailleur, ce n'était pas dans les mines, mais dans une usine de transformation nucléaire à Port Hope, où quelqu'un a joué une blague, quelqu'un avait mis un produit dans l'eau potable, la personne a bu l'eau, et on était très préoccupés par la possibilité de surexposition. Je n'ai pas les détails, mais c'est le seul cas à ma connaissance qui s'est produit. Ce n'était pas dans une mine, c'était dans une centrale nucléaire. Dans une usine de transformation. Deux dernières questions courtes. Est-ce que les travailleurs, lors de la session de training, d'entraînement, de formation, merci, est-ce qu'ils sont informés des risques associés à leur exposition? Et deux, pourriez-vous me dire le salaire moyen d'un minier dans une mine d'uranium en Saskatchewan? Pour répondre à la première partie de la question, oui, les travailleurs sont absolument informés des risques potentiels. On leur également enseigne comment composer avec ces risques, comment réduire les risques si jamais ils devaient les rencontrer. Comme je l'ai expliqué, risque est fonction d'un danger et la probabilité d'exposition. Donc, en réduisant la probabilité d'exposition, une fois qu'on a reconnu qu'il y a un risque potentiel, ils peuvent, de concert avec le superviseur, développer un plan pour réduire le risque. Donc, ils reconnaissent le danger, ils développent des mesures de contrôle pour réduire le risque. Deuxièmement, je n'ai pas des informations sur les salaires gagnés par les travailleurs d'uranium en Saskatchewan. Si vous souhaitez avoir les informations, sans doute l'Association des mines de Saskatchewan pourrait vous les fournir, ou les minières. Je ne représente pas une des minières directement, donc je ne dispose pas de ces informations. Si vous voulez, à ce niveau-là, monsieur, on peut trouver le chiffre, si vous voulez. Oui, quand vous vous le fournir. Volontiers, Mme Mettat. Michel? Oui. En fait, vous nous avez parlé que pendant les formations à vos travailleurs, on les sensibilisait à la question d'avoir une pratique sur les principes de ALARA. Est-ce qu'il y a un code ou un guide qui nous permettrait d'apprécier ce qu'est l'intervention à l'ARA? C'est-à-dire qu'on verrait comment vos employés sont sensibilisés à ça, donc un guide de bonne pratique versus à l'ARA, de façon à ce qu'on voit l'opérationnalisation, étape par étape. Est-ce que ça commence par une veille technologique? Ensuite, est-ce qu'il y a des formations additionnelles pour dire à vos employés, bien, on doit pratiquer de cette façon-là pour que ça finisse par arriver concrètement dans la pratique sur le terrain? Donc, un guide permettrait à la Commission de voir comment vous opérationnalisez ça au quotidien. Et si ce guide-là existe, est-ce qu'il pourrait être déposé? Peut-être où ça peut être la CCSN, je ne sais pas si, à défaut d'une minière, on pourra demander la même question à la CCSN. On va attendre. First of all, premièrement, la CCSN a des exigences bien documentées pour respecter le principe de l'ALARA. L'une des diapos que j'ai affichées indiquait les mesures qui sont prises de manière routinière pour atteindre l'ALARA, pour respecter l'ALARA. Vous savez, ce sont des choses très simples qu'on peut faire pour éviter l'exposition et les risques. Mais la CCSN a un excellent guide sur les attentes de l'ALARA. On a déposé le cadre. Moi, ce que je voulais voir, c'est comment vos formations sont faites pour l'opérationnalisation. C'est bien beau d'avoir un cadre. J'ai vu des exemples, c'en est un certain nombre. Mais quand vous faites la formation, y a-t-il un cahier qui avec lequel vous faites la discussion avec vos employés pour qu'ils comprennent? Là, on a vu les résultats. Moi, ce que je voulais voir, c'est la mécanique. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est la formation dans les mines
est très intéressante. Par exemple, il y a la ACT, c'est une approche systématique de la formation. Vous devez repérer le besoin de formation, vous devez la planifier, vous devez l'offrir et ensuite vous vérifier l'efficacité de la formation. Pour la protection contre le rayonnement, ces modules de formation sont tous préparés sur des diapos, sur des écrans, avec une version imprimée. Vous pouvez demander, et alors les personnes qui travaillent dans le domaine électrique, bon, on utilise des outils visuels, une communication verbale, des méthodes pédagogiques verbales, et ça ne servira à rien de leur donner un manuel. Eh bien, on leur donne un manuel très illustré, et bien souvent, c'est assez petit comme manuel. Et ensuite, on leur fait passer un examen oral. C'est intéressant, vous savez, tous ces gens-là ont une bien meilleure mémoire que moi, parce que moi, je peux toujours me référer au livre. Et eux, ils s'en souviennent parce qu'ils ne peuvent pas retourner leur manuel. Donc, la formation est très officialisée. Le cadre plus formel. Alors, évidemment, l'encadrement, si on peut vous tourner, puis même on vous a déjà fourni beaucoup d'informations, mais si je comprends bien votre question, Mme Goyer, selon moi, les compagnies minières peuvent sûrement vous fournir une copie de leur programme de radioprotection qui donne les détails des pratiques et même vous donner un exemple d'un outil de formation. Je ne sais pas si ça va vous aider ou... C'était pas avoir l'ensemble de la formation. Là, je pense que la présentation de M. Nel était amplement correcte. C'est comment, quand on dit qu'on vise des objectifs de type ALARA, on l'articule dans l'ensemble du cheminement, je dirais pas intellectuel, là, mais dans le sens que la formation, on en convient, elle se fait par étapes, elle se fait bien, elle fait que ta rétroaction, mais comment ALARA rentre là-dedans? À quel moment? Et qui amène les éléments structurants de ça? C'est-tu des veilles? C'est dans ce sens-là. Comment on articule l'objectif ALARA pour améliorer continuellement la pratique? Alors, selon moi, je pense que l'industrie devrait être en mesure de vous fournir des informations concrètes pour vous aider. Si par contre vous avez des difficultés, vous pouvez sûrement revenir me voir parce que je peux l'exiger déjà sous ma réglementation, mais selon moi, je suis convaincu que l'industrie peut vous fournir un exemple concret qui vous permet de voir et comment ils peuvent démontrer, comment ils l'appliquent. Fait que je pense que si vous dirigez la demande à l'industrie minière, selon moi, ils devraient être en mesure de vous fournir les informations concrètes. Je me permettrai deux questions. Dans votre esprit, quelle est la différence entre le principe ALARA et le principe BAT, Best Available Technology? As I understand it. D'après ce que je comprends, le principe de la meilleure technologie disponible consiste à recourir à celle qui est la meilleure et qui est disponible sur le marché pour assurer les contrôles sur le plan du génie et autres. Bon, ALARA se rapproche beaucoup de ça. Le but consiste à avoir des doses aussi basses que possible, peu importe la technologie employée. Donc, ça marche de pair. Avec la meilleure technologie, vous pouvez avoir de meilleurs résultats sur le plan de l'ALARA. Mais quand vous parlez du genre d'exposition et de dose dont il est question ici, vous devez bien comprendre que l'ALARA peut indiquer que l'argent que vous voulez dépenser pour réduire la dose d'un millisievert, par exemple, n'est pas approprié parce que vous êtes seulement à 0,4 ou à 0,5 millisievert. Peut-être que vous dépenseriez votre argent meilleur escient dans l'éducation, dans des soins après l'exploitation de la mine. Bon, quelquefois, il y a des avantages à employer le principe de l'ALARA et ça vient compléter la meilleure technologie disponible, mais c'est différent. La suivante. En fait, elle est double. Est-ce que les compagnies font toutes des tests sur la bioaccumulation autour des mines dans les animaux? Et est-ce qu'elles font, deuxièmement, des tests d'accumulation des radionucléides dans le sol
et sur quelle distance ils le font? Parce qu'une mine qui opère pendant 15, 20, 30 ans, même si à une certaine, à des bonnes distances, 10, 15 kilomètres, il y a peut-être beaucoup moins de radionucléides sous forme de poussière, etc. Mais l'accumulation progressive dans le sol peut devenir significative. Enfin, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais je vous pose la question, est-ce qu'on fait ce genre de monitoring terrain? The short answer is yes, we do. La réponse brève, c'est oui. Et c'est fait aussi sous les auspices de la CCSN. On doit envoyer un rapport. Il y a des exigences dans le cadre de l'octroi de permis. Et ça figure aussi dans l'état de l'environnement. Ça figure là-dedans. Alors, il faut vérifier la qualité des sédiments, lixiviers, de l'eau, etc. Donc, ça se fait, mais on vérifie pas seulement le poisson, mais pas seulement l'eau, mais le poisson, c'est fait tous les ans. Les petits animaux, je ne sais pas exactement à quelle fréquence, mais la réponse, oui, ça se fait. Les représentants du ministère de l'Environnement nous ont indiqué qu'au niveau des plantes, certains radionucléides s'accumulaient davantage dans les racines. Est-ce que vous avez observé, à votre connaissance, en tout cas du moins, est-ce que vous avez observé qu'au fur et à mesure que les années d'exploitation passaient, que les quantités de radionucléides dans les racines augmentaient? À l'usine où j'ai travaillé, c'était Cigar Lake. La réponse est non. On n'a encore rien remarqué. On ne s'attend pas à remarquer quoi que ce soit. Vous l'avez étudié? Est-ce que vous avez étudié l'évolution des concentrations de radionucléides dans les racines au fil des ans? Est-ce que ça a été examiné? Yes, most definitely. I haven't studied them, but consultants who have worked with our companies. Je ne l'ai pas fait, mais les consultants qui ont travaillé dans cette compagnie l'ont étudié et en fait, ils ont utilisé cette information pour prévoir des doses dans les collectivités voisines et dans les écosystèmes voisins. Est-ce que ces concentrations dans les racines augmentaient au fur et à mesure que les années d'exploitation passaient? À ma connaissance, enfin, je ne le sais pas. Je ne l'ai pas observé, je n'en ai pas entendu parler. Il pourrait y avoir une accumulation dans les racines ou dans les aiguilles de pin. L'échantillonnage que j'ai fait, c'est fait sur la végétation au-dessus du niveau du sol, dans les feuilles, etc. Mais je ne sais rien de ce qui aurait pu s'accumuler dans les racines. C'est possible, mais je ne le sais pas. Monsieur Fafard, pour deux questions, parce qu'il s'est inscrit tout à l'heure, avant la clôture. Rebonsoir. Rebonsoir. Première question. Comment la Commission de la sûreté nucléaire peut-elle avancer que les travailleurs soumis à des doses supérieures à 1 millisievert an, soit 100 millisievert sur 5 ans ou un 50 millisievert maximum pour un an, n'ont pas d'impact sur la santé quand les suivis de la santé de ces travailleurs n'est pas fait jusqu'à leur mort? Monsieur Leclerc. Mr. Leclerc. Je vais demander à M. Barr pour répondre à la question. Mais, wow, d'accord. Une place là. Alors, M. Barr. Bonjour, Tristan Barr pour la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Pour ce qui est des causes de mortalité pour les travailleurs, elles sont soumises par les provinces à Statistique Canada et on évalue le risque potentiel aux travailleurs de mine en faisant des études épidémiologiques qui lient les doses aux individus et le risque, dans le cas des mines, de cancer de poumon, parce que c'était le risque potentiel qu'on évaluait. Donc, les données proviennent de ces études épidémiologiques et les doses qu'on utilise pour associer le risque proviennent du Santé Canada parce qu'ils ont, eux, le fichier dosimétrique national où ce qu'on enregistre toutes leurs doses et les données par rapport aux décès et mortalité proviennent de Statistique Canada. Vous ne répondez pas tout à fait à la question qui a été posée. En fait, la question, c'est que, sachant qu'un travailleur va prendre sa retraite à 60-65 ans et que le développement du cancer s'examine et s'apprécie et s'estime sur une base d'exposition à vie, donc il est possible, compte tenu des périodes, des fois, de latence et autres, il faudrait, ce que monsieur sous-entend, c'est qu'il faudrait examiner ou suivre les travailleurs pendant toute leur vie pour pouvoir dire avec justesse dans le cadre d'études épidémiologiques, de cohortes ou peu importe, pour pouvoir prononcer un diagnostic juste à l'effet qu'il y a ou il n'y a pas d'effet sur la santé. Donc, quand vous faites référence à l'étude épidémiologique, est-ce que vos études épidémiologiques couvrent, justement, suivent les travailleurs jusqu'à leur décès, au fond? Je vous propose qu'on va discuter de ce genre d'études demain lorsqu'on parle de la santé des travailleurs dans les mines d'uranium parce qu'en effet, nous avions voulu établir si des travailleurs depuis les années 1975 à aujourd'hui et les travailleurs futurs et les doses qu'ils auraient pu avoir jusqu'à 2030 pourraient causer des excès de cancer chez ces travailleurs-là. Et l'étude de faisabilité, en effet, a démontré que non, il était impossible d'identifier un niveau de risque d'excès de cancer de poumon pour ces travailleurs-là, dont à peu près 24 000 travailleurs qu'on allait suivre pour cette durée. Donc, encore une fois, ça provient des niveaux de risque qui sont établis à travers les études épidémiologiques et puis les doses qu'on mesure pour ces travailleurs le long de leur carrière dans le domaine. Vous m'avez un peu confondu, mais c'est peut-être l'heure à laquelle nous sommes, pardon? Moi, j'attendrai à demain. Mais de toute façon, je pense que la question est très importante pour la Commission également. Elle a été abordée très brièvement il y a deux semaines avec Dr. Croteau, je crois, mais très brièvement, et on reviendra là-dessus demain également, puisqu'il y aura une présentation de sa part sur l'analyse des études épidémiologiques qui ont été réalisées, qui a été réalisée, pardon, par l'INSPQ. Votre deuxième question? Oui, conscient de l'heure, je fais un préambule qui n'est pas un préambule, qui est une précision à des commentaires. Je vais lire un article. C'est pas long, c'est à peine une page. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais je pense que c'est très important, considérant ce qui a été dit par M. Nel, puis ça pourrait agir comme une précision sur des faits qui ont été amenés par M. Nel, puis en même temps, c'est un préambule pour ma question. Je le demande, j'ai été court et poli. On est là. Est-ce que je peux, s'il vous plaît? Allez-y. Merci. Donc, qu'est-ce que c'est comme article? Pouvez-vous c'est un article du magazine Métallo à l'œuvre, juin 2014. Donc, cette année. La chose, le forum de commémoration de la grève des mineurs de Elliott Lake. La chose la plus importante, je vais prendre mon temps, moi déjà dit là, tranquillement, donc. La chose la plus importante à sortir des mines est le mineur, entre guillemets, a écrit James M. dans un rapport de la Commission royale sur la santé et la sécurité des travailleurs des mines qu'il a présidé en 1976. Le syndicat des métallos partage cette conviction 40 ans après la grève sauvage qu'avaient déclenché les mineurs d'uranium d'Elliott Lake pour de meilleures conditions de santé et de sécurité. Entre guillemets, aujourd'hui, tous les travailleurs bénéficient de la loi pour les protéger grâce au courage des mineurs d'Elliott Lake. Les mineurs tombaient malades et mouraient de silicose et de cancer du poumon.
Ils ont entrepris une grève sauvage et attiré l'attention de tous, forçant ainsi l'adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail, a raconté Ken Newman, directeur national du syndicat des métallos. Le syndicat a rendu hommage aux mineurs de Lyotley qui a souligné le 40e anniversaire de la grève sauvage de 1974 à l'occasion d'un forum d'une durée de 3 jours au bureau syndical des métallos de Sudbury en avril dernier. La santé, la sécurité, l'autoroute du militantisme syndical. Un grand nombre de militants et militantes du syndicat des métallos ont fait leur début lorsqu'ils se sont joints à un comité de santé et de sécurité à leur lieu de travail. Des comités mixtes et des lois sur la santé et la sécurité au travail existent partout au pays. Il a fallu des décennies de lutte et de souffrance pour réaliser ces progrès d'un grand nombre d'entre nous tenons pour acquis aujourd'hui. Ce sont nos mineurs d'Elliott Lake qui ont attiré l'attention sur les maladies et les décès scandaleux qui se produisaient dans les mines. Les mineurs savaient depuis des années que leur travail les rendait malades et bon nombre en sont morts. Stephen Lewis, chef du NPD de l'Ontario à l'époque, avait qualifié cette situation d'histoire d'horreur. Depuis l'établissement des mines à Elliott Lake, la direction savait que l'extraction de l'uranium était dangereuse. Tout en connaissant les niveaux d'exposition recommandés à l'échelle internationale, elle a sciemment maintenu un niveau de poussière bien supérieur à ces niveaux, a écrit Laurel Sefton McDowell dans son exposé universitaire sur les mineurs d'uranium d'Elliott Lake. Pourtant, la direction n'a pas prévenu les mineurs des dangers auxquels ils étaient exposés. Les métallos avaient autorisé l'établissement de comités de sécurité dans toutes ces sections locales. Nous demandions aux entreprises et au gouvernement d'améliorer les conditions, d'évaluer les conséquences de l'exposition à l'uranium sur les travailleurs et le public. Nous avions tenu des cliniques médicales pour en faire l'évaluation et enregistrer la capacité pulmonaire et la santé générale des mineurs. Les entreprises ne faisaient rien. Le gouvernement ne faisait rien. La pression continuait de monter. En avril 1974, près de 1000 mineurs, membres de la section locale du 5762 du syndicat des métallos, ont déclenché une grève sauvage contre les mines Denison, exigeant de meilleures conditions pour la santé et la sécurité. La commission HAM, Stephen Lewis et le NPD, en collaboration avec les métallos, ont exercé des pressions sans relâche sur le gouvernement provincial conservateur de l'époque pour qu'il prenne des mesures. En 1975, le gouvernement a établi la Commission royale sur la santé et la sécurité des travailleurs des mines, que James Hamm, professeur d'ingénierie, a présidé. La commission Hamm a pris la route, visité des mines, entendu les mineurs, les collectivités, les syndicats et l'industrie. Les métallos ont fait des présentations à chaque audience. Entre-temps, le ministère de la Santé de l'Ontario présentait des conclusions révélant les risques liés à l'extraction minière de l'uranium à l'occasion d'une conférence en France. Les métallos présents à la conférence étaient révoltés. Comment l'information que le gouvernement a refusé de faire connaître aux mineurs même pouvait-elle, elle, colporter au haut d'une tour d'ivoire de l'autre côté de l'océan? En guillemets, j'ai témoigné devant la Commission et condamné irréfutablement le gouvernement. Les entreprises, les institutions comme la Commission des accidents de travail pour leur complicité dans les maladies et les décès de centaines et de centaines de mineurs à Sudbury et à Elliott Lake. Se remémore Stephen Lewis. En 1976, la Commission a publié un rapport comportant 117 recommandations, dont un grand nombre qui était exactement ce que les métallos avaient demandé pendant des années. En 1978, la loi sur la santé et sécurité au travail est entrée en vigueur. Grâce à cette loi, le Canada entrait dans une nouvelle ère au plan de la santé ou sécurité. Et de la sécurité. La loi comportait de nombreuses dispositions novatrices constituant la base des exigences en matière de santé et sécurité dans tout lieu de travail, non pas seulement dans les mines. Le droit de savoir, le droit de participer et le droit de refuser un travail dangereux. En termes de précision, M. Nels a dit que dans les anciennes mines, il y avait des historiques de cancer du poumon qui se sont faites dans les années 40. Là, on voit ici que ça se faisait jusqu'à dans les années 70, puis même jusqu'à l'année 75, 76. Donc, ma question, qu'est-ce que la Commission de la Sûreté nucléaire va dire dans 20 ou 30 ans des conditions dans les mines d'aujourd'hui? Que la limite de 100 millisieverts était trop haute? Monsieur Leclerc? Non.
Là, je vais quand même rappeler un peu le développement. Je pense que dans une des discussions qu'on a eues, même si on est rendu dans la troisième semaine, je ne me souviens plus de l'occasion, mais j'ai mentionné le cas d'Elliott Lake et j'ai dit qu'un des résultats de la commission HAM, c'est que la commission s'implique plus. C'est là qu'on établit le bureau à Saskatoon en particulier, où la commission, notre commission, s'est impliquée beaucoup plus dans la gestion des mines d'uranium à partir de l'année 1974-1975. La commission HAM, j'ai un employé qui sait pas mal plus, qui était à Elliott Lake à l'époque, mais moi je la connais pas, mais c'est un des événements qui a lancé des changements. Monsieur Fafard il a mentionné la silicose. C'est un élément important qui faisait partie des problèmes de santé qui est en place. Alors, pour toucher la question de 100 millisieverts, on ne s'attend pas de changer la limite de 100 millisieverts, la baisser. Par contre, si on a une évidence qui nous dit qu'on a des évidences qui nous disent qu'il faut baisser la limite parce qu'on voit des effets, la limite va être baissée. Je peux pas faire des prédictions dans le futur, mais c'est ça le développement au point de vue de santé. À mesure que nos connaissances s'améliorent, si on voit des effets, à ce moment-là, on change les limites. Mais présentement, selon toutes nos connaissances, toutes les études qui ont été faites, puis ça, il faut le dire, le niveau de connaissance est quand même beaucoup plus élevé qu'on avait à l'époque, de facteurs très importants. Les mesures de contrôle qui sont en place à des niveaux beaucoup plus élevés. On vous a montré quand même les données de baisse de doses significatives. Mais alors, c'est juste pour dire, si on a évidence, on voit qu'il y a un besoin de baisser la limite, ben, la limite va être baissée. Mais comme c'est là, toutes les études, toutes les informations, toutes nos informations nous disent que les limites sont protectrices des travailleurs. C'est votre réponse, je vous remercie. Alors, M. Fafard, je vous remercie. Merci. Oui? Monsieur Nel, j'aurais une dernière question. Oui, une dernière question. Vous avez évoqué tout à l'heure une étude épidémiologique qui est en cours. J'aimerais savoir, pour la mine pour laquelle vous travaillez, quel est le montant d'argent consacré à la recherche par année? Malheureusement, je ne peux répondre à cette question parce que, comme je l'ai indiqué, je ne représente pas une minière à ce stade-ci. C'est de l'information qui relève de l'entreprise. Sans doute, vous pouvez communiquer avec l'entreprise, c'est Cameco. Elle peut vous donner l'information. Je sais que c'est un fonds important qui est consacré aux études, à la recherche, au développement des communautés avoisinantes, mais je ne sais pas en quoi consiste ce montant. Je vais me risquer avec vous, Monsieur Leclerc. Est-ce que, à votre connaissance, vous êtes au courant des budgets moyens des cinq minières qui sont alloués à la recherche? Non, malheureusement, j'ai pas les données monétaires. On est au courant de différentes recherches qui sont faites pour faire des suivis environnementaux, des aspects-là, mais j'ai pas de connaissance au point de vue des budgets exacts. Madame Méthode, je crois, si jamais, c'est pas une obligation, mais si jamais vous pouvez avoir ces informations-là d'une façon quelconque, ça serait intéressant pour nous de savoir quel est le montant réservé annuellement aux recherches. Si ces recherches sont de nature contractuelle ou si ce sont des subventions qui sont accordées à des chercheurs indépendants. Et qui font la recherche. Et si ce sont des chercheurs indépendants, si vous pouvez aller jusqu'à ce niveau de détail, pourriez-vous également nous indiquer jusqu'où va leur autonomie? Est-ce que c'est une autonomie totale en termes de publication? Est-ce que les natures des ententes obligent les chercheurs, même s'ils sont des chercheurs indépendants à soumettre leurs résultats avant de les soumettre pour publication.
Enfin, juste un moment, mon collègue. Évidemment, vous aurez compris que nous sommes dans le thème santé et donc tout ce qui gravite autour de la recherche santé-environnement et non pas la recherche de procédés. Mon collègue m'a fait cette précision et c'est tout à fait juste. Tout à fait. OK. Tout à fait. Alors, ce que je ferai, c'est que je contacterai mes collègues de la Saskatchewan pour savoir s'ils détiennent cette information-là, s'ils peuvent nous la transmettre et je pourrai faire savoir à la commission qu'est-ce qu'il y en est. D'accord, merci. Merci. Ma collègue Michelle demande si vous pourriez demander les fameux codes qui permettent de traduire le ALARA, la recherche ALARA, comment ces codes-là traduisent ça dans la vie quotidienne d'une mine, là, dont on parlait tantôt. Monsieur Leclerc nous disait que ça serait mieux de demander à l'industrie. Alors, si vous avez un contact avec vos vis-à-vis de la Saskatchewan, si vous pouviez leur demander la même chose, ça serait utile à la commission. D'accord? Alors, on vous en remercie. Oui, en effet, on va le faire. Merci. On vous en remercie, Mme Metta. Alors, comme il n'y a plus de questions, je vais vérifier avec mes collègues du CCABJ. Ça va? CCAK, ça va? Bon, alors, on va considérer que nous avons terminé cette séance. Alors, je vous donne rendez-vous demain après-midi à 13 h. Alors, bonsoir tout le monde et à demain. Merci à M. Nel. Ah oui, M. Nel, thank you very much. Thank you for the opportunity to make this presentation, and I hope I left you with some useful information.